Hey, salut à tous les anciens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le live de 20h comme promis. Ça a failli ne pas se produire parce que les serveurs eSport étaient down pendant quasiment une demi-heure suite à la fin de saison 4. Donc la fin de saison 4 en championnat division. Ils ont commencé la saison 5, ils ont lancé donc la saison 5 tout à l'heure. Et la saison 5 s'arrête, tout à l'heure on a été voir, dans 54 ans. Alors oui, c'est pas un troll, ce n'est pas un putaclic, c'est la vérité. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, championnat de division, voilà, vous allez voir, c'est quand même incroyable. Se termine dans 28 518 902 minutes, ce qui correspond à 54 ans. Voilà. Bon, nous, on va partir en carrière en ligne. Donc, la carrière en ligne, normalement, s'ils ne nous font pas de blagues, devrait s'arrêter dans 26 jours. Mais à cause de leur manque de... Salut à tous, salut Thomas, Delange, bienvenue, heureux à tous ceux qui étaient là dans le premier live tout à l'heure suite à la catastrophe qu'on fait eSport. Je lance le chat comme ça sera fait. On dit bonjour. Alors comme j'ai dit, je pense que les serveurs remarchent. Hein. Salut Zepec. Je pense que les serveurs... Salut Alixo, heureux, hein. Heureux. Heureux Jam, heureux Jay. Voilà. Alors. Hop. C'est parti. Et voilà. ACM42, oui d'ailleurs, excuse-moi pour tout à l'heure, je précise, ACM42 également, on t'attend dans le top 100 à la fin de saison. 26 jours, tranquille. Bon les gars, papy, t'es le meilleur. Merci, merci Teddy, mais je suis pas le meilleur, tonton. Je suis, voilà, je suis dans les pas trop mauvais en carrière en ligne. On se débrouille, on essaie de se faire plaisir, mais certainement pas le meilleur, malheureusement. J'aurais bien aimé, hein. Bon, par contre, voilà, quand on regarde l'historique des combats en carrière en ligne, effectivement, c'est pas dégueulasse. Salut papy, premier live pour moi, merci, grâce à toi, je m'améliore. Eh ben avec grand plaisir, Racer. On est là pour ça, hein. On est là pour ça. Toujours 16e, hein, ça bouge pas trop. On va aller voir un peu ce que ça donne. Tranquillement, hein, on va prendre le temps. Je me tâte même, on va faire un petit combat des choses, je pense. Directement, histoire de ne pas faire les fous. Attendez, je vais mettre le téléphone en mode économie. Comme ça, je dirais pas que j'ai plus de. Wesh l'équipe, ça va, c'est là ou quoi? Tranquille? Ah ok. Heureux. Bon ben, tu vas pouvoir aller éclater le top 10. Ouh là là, ça va être dur. Hein, le top 10, on a dit qu'il était à combien? Ouais, les petits pouces en arrivant. 17e, on a cligné de l'œil. On a perdu des places. Hein. Alors ensuite, on a dit. Ah, ça va être difficile, je pense. Martial Machine YouTube. Il est à 2610, ça fait 110 points de cote à gagner. Et en plus, je vous mens pas que, comme vous voyez en haut à droite, comme je l'ai dit, j'ai 2755 points. Et je vous mens pas que j'ai une envie, mais monstrueuse, de passer mon prestige. Ça veut dire que là, il serait prestige 17. Avec le bug qui fonctionne, ça me ferait presque prestige 18. Ce qui me permettrait de corriger 2-3 choses. C'est-à-dire que je n'ai pas mis assez de coups de pied, selon moi. J'adore les coups de pied, et je n'ai pas mis assez de coups de pied. Voilà, et il y a 2-3 stats que j'aimerais bien améliorer, etc. Donc, comment on fait? On prend son petit sub, Rasseur, si tu veux rejoindre le réseau. C'est pas un réseau, c'est la salle d'entraînement, les tontons. Re-Benoît, merci. Vous savez quoi, on va aller faire un ou deux matchs des shows quand même. On va aller faire les combats de placement, pourquoi pas, en championnat division, et après on y va directement. C'est parti. Bon, certainement, on va se faire sniper. Bon, voilà, il y a des bisous orageux, bisous aux jaloux aussi également. Hein, faut pas oublier de les saluer. Il y en a pas mal. Alors, qui c'est qu'on va prendre pour se faire plaisir là? C'est pas trop m'écater ça. Hein. Je sais pas trop si ça va me. Désolé, en ce moment, j'ai pas trop le temps de passer dans le groupe. Je fais pas mal d'heures sup. Ok, il n'y a pas de souci, mon petit tonton. Il faut l'oseille, c'est important. Il faut des sous, malheureusement, dans ce monde. Salut Bjorn, j'ai envie de prendre Manon Fiorot, mais alors je suis vraiment pas bon dans les. Ah, j'avoue qu'elle a des bonnes stats, Manon Fiorot, en vrai. On va la prendre hein, pour se faire plaisir. Alors je pense qu'Alexa Grasso, c'est mieux en vérité. Hein. Et voir juste au niveau de la boxe. Et le menton et tout. Ouais, on va prendre Grasso. Quoique je sais pas en fait. Ouais, allez, si, je vais prendre Grasso. Ah, il a fait le contraire, il a pied Fiorot. Force Lolo, j'attends toujours dans le temps. Eh ben ouais, on t'attend. À partir de demain,
J'ai pas de week-end, ah ouais, gros. Ouais, Manon, c'est peut-être elle qui va nous sauver le MMA français en vrai de vrai. Hein. Franchement, il y a moyen. Il hein. y a moyen que ce soit grave, elle. Hein. Le mec, il s'appelle comment? Décision UFC. Ah, qu'est-ce que ça va vite, les femmes. Vous savez que je suis pas fan des femmes. Hein. C'est pas mon. C'est pas ma camelote, c'est la rapidité. Et ça fait pas forcément beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça qu'il faut. Regarde ça. Voilà, ça commence. Hein. Alors, une punaise de lit d'entrée de jeu. Voilà, une punaise. Ah, c'est pour ça, il s'appelle Décision UFC, parce que le mec, il fait que des décisions. Il y a moyen que ce soit ça. Hein. Il y a grave moyen. Ah, par contre, voilà, ça va être un combat dégueulasse pour commencer. Ça me j'ai déjà envie de quitter le championnat de division. Elle envoie un violent low kick. Oh, la belle pas mal, presque pas mal. Qui arrive. Elle est vraiment efficace dans ses enchaînements et dans le choix de ses cibles. En haut, en bas, belle variation. Ce crochet l'atteint à la tête. Et une nouvelle fois, ça touche. Genou encore. Ah, ça met des coups de genou. C'est pas mignon, hein. C'est vraiment pas mignon. En plus, j'ai l'impression qu'il attaque même pas. Là, il commence à attaquer là. On va faire. Oh, je suis con. Bon, c'est pas grave, ça va bien m'échauffer les pouces au moins avec les femmes, hein, je peux vous dire. Je sais pas pourquoi elle lui laisse autant d'ouverture à cette hauteur. Ça risque de faire mal si elle ne corrige pas sa vie. Ça clignote bien par contre chez les femmes. Hein. En vrai, je peux la jouer à la décision. Hein. C'est lui de décision UFC. Là, tu vas te prendre un clignotage, mon pote. T'es pas foufou là, hein. Fais le fou, mais t'es pas ouf là niveau pif, hein? T'es pas ouf. Oh, par contre, il veut me jouer les côtelettes. Est-ce qu'il est fort? Je pense qu'il doit être bon au sol quand même. On va voir ce que ça donne. Oh, là, je vais tout doux. Il est pas mauvais au sol. Ouais, je savais, je l'ai vu directement. Par contre, là, il y a moyen. Si la soumission continue à être tenue comme ça. Il a bloqué, il a fait la feinte. Ok, ça c'est bon pour moi. Ah, bien joué la passe. Hein. Très très bien joué ça. C'était deux feintes qu'il a fait. Hein. Vous avez la petite différence, c'est qu'il a fait deux petites feintes au lieu de la verrouiller. Par contre là, va falloir vraiment bloquer. Ok, c'est bloqué, ça c'est très bien. Parfait. C'est bien, ça va bien monter les réflexes. Un bon blocage là. Un deuxième blocage. Ouh. Ah, j'ai pas de soumission. Hein. Là, j'aurais mis une Kimura direct hein, avec BSD là. Dommage. Hein. J'aurais tenté la Kimu. La Kimumu. Le bar est ouvert. J'annonce que le bar est ouvert, messieurs. Il est où le fameux bouton rejoindre? Ah, t'es avec iPhone, Racer. Si t'es sur iPhone, il faut. Oubliez pas le petit pouce. Il faut ouvrir un navigateur internet en mode ordinateur. Voilà, c'est. Salut, salut, salut. Bienvenue à vous. Salut, Toigan. Bon, au final, je pense qu'on a fait un bon round. Hein. C'est moi qui l'ai amené au sol. Alors, il a passé son soumission, donc je pense que le round, il est pour lui. Hop là, là, ça fait un KO, ça. Ça compte, ça fait des points, ça, dis donc. Ouais, ça fait des points, Manon. Oh, là, j'ai fait grosse erreur. Hein. Grosse erreur de gourmandise. Oh, ouais, carrément. Ah, ouais, ouais. C'est bien, ça va vraiment. Comment dirais-je? Ça va vraiment préparer là. Pas de gourmandise, on a dit les gars ce soir. On va essayer de pas trop faire de gourmandise, que vous avez vu. Hop, une gourmandise de trop, c'est fini en 2 secondes. Bon, après en vrai, c'est. Voilà. Pas de gourmandise, tranquille, hein. On est là comme d'hab. Bah oui, comme d'hab, ça dépend, il y en a qui sont là. Non, franchement, là, j'étais plus que bien. Gourmandise, merci, au revoir. Je lui ai fait un double coup de pied, dont le deuxième est parti dans le vent. Punition instantanée. C'est pour ça, les doubles coups de pied, c'est bien. Mais voilà, c'est pas ce qui te permet de jouer contre l'élite. Hein. Ça, c'est pareil. C'est comme Yair Rodriguez. Yair Rodriguez, c'est un combattant que j'adore. Stephen Thompson, c'est des combattants que j'adore. Mais au final, c'est pas des combattants qui réussissent à faire le title shot, à prendre la ceinture, parce que le style est trop risqué. On l'a vu contre Volka, il a mis beaucoup de coups de pied, tac, il était en avance. Volka, il en a eu marre. Hop!
Ça dépend, ça consomme beaucoup d'endurance, ça on va pas se mentir. Oh oui, ça a bugué carrément. Vérification des mises à jour combattants. Mais c'est quoi ces bugs là? Quoi ce délire là? C'est quoi ce délire? Me dis pas que ça a bugué direct. Me dis pas ça. Ah là là. Eh, hey, eSport, il rend dingue. Ah, non, oui, start. Non, je peux pas revenir. Ah, ouh là là là, c'est bon. Ça a débugué. On va activer un boost d'XP. On va pas oublier d'activer le boost. Et c'est parti. C'est bon, ça fonctionne. Ouh, Baki, tout de suite, Baki. 2300 de côte. On tombe tout de suite sur un top 50 pour se réveiller les papilles. Allez, pas de gourmandise, on a dit. Pas de gourmandise. Et nous y voilà. Hop. D'ailleurs, je crois que Maki il est sub à la chaîne, hein, de mémoire. Ouh, il a claqué celui-là. Ok, il va préparer pas mal d'hypercutes, je pense. Il va faire très attention à son ventre. Faut que je fasse attention à son crochet, je crois. Il a un très très beau crochet. Ouh. Ouh, il a pris beaucoup de dégâts. Il fait pas attention à sa barre de vie. Ça touche fort, ça. Il a pas fait attention à l'ancien des Caraïbes. Ouh. Je commence à avoir des low kicks de seigneur. Ah, il fait des gros combos. Hein. Il va falloir tempo. Très bien joué, ça. Un petit sidestep qui lui a permis de vraiment sortir du. Par contre, son entame là tout à l'heure, elle était pas ouf. Je suis pas à l'aise encore là. En tant que premier combat. Ouh, il a failli se la prendre. Premier. Oh, vous voyez là, je suis pas bien. J'ai fait un mouvement inhabituel. Ah, j'arrive à toucher avec ce combo 4 étoiles. Ok. Il met une belle pression, hein. Il met une belle pression. On essaye de garder de l'endu. On a un bon time. J'ai pris un bon timing là. Ouh, là, va falloir être mobile. Hop. Oh là là, les 4 coups qui touchent. Ah, celui-là, il fait mal. Hop. Ouh, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va pas faire de folie. On va la jouer très sérieux. Ah, elle a la rubber guard, hein. On va la tenter tout de suite ou pas? Ouais, c'est bon, elle est passée la stackhead. Ouh, ça aurait pu faire mal. Ça aurait pu faire très mal la stackhead guard, hein. C'est vrai qu'il faut pas la sous-estimer, cette petite stackhead. Ouh là là, j'ai dépensé énormément d'endurance sur ce combo, hein. Tant pis, hein. Ah, je fais des dégâts, c'est bientôt la fin du premier round. Il presse, mais pour l'instant ça va. Hein. Ah, celui-là qui touche aussi, hein. Il y a le premier direct qui touche. Voilà, il arrête d'avancer, il a compris que ça sert à rien d'avancer sur ton tour comme un fou. Je sais pas ce qu'il fait, il fait que du sidestep pour l'instant. Ça veut dire qu'il décale d'un côté, il a peur du coup de pied retourné au ventre. Hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'il décale comme ça. Mais sa garde est en train de se briser doucement, gentiment. Son œil commence à être faible. Je fais un peu des combos inhabituels. Il reste une seconde. Ah, il veut pas. Hein. Il veut prendre son temps. Il veut prendre son temps. Re Yosbat. Salut Mousse. Full session indisponible. Ah ouais, c'est plein de bugs ce soir. Ok. Le jeu est injouable. J'arrive à lancer aucune game. Le jeu est lent. Ah ouais, bah c'est plein de bugs. Hein. Ils ont fait une fin de saison. J'ai trop tendance à paniquer, c'est ce qui me fait. Bah, c'est exactement ça, hein. Ça reste un jeu où apprendre les combos, on va dire, et les combinaisons et les touches, ça reste, on va dire, 70% du game, hein, on va pas se mentir. Après, ce qui fait la différence, c'est votre vie, votre anticipation, si vous avez du vie, si. Voilà, après, on parle pas des ratus, hein. 16 likes pour 67 viewers. Ah ouais, les gars, là, je suis grave, grave, grave déçu, triste et tout, hein. Comment ça? La dernière fois, vous m'avez fait péter le record. On a fait quoi? Plus de 100. Ah, regardez, je me concentre. Parce que Maki, il a pas dit son dernier mot. L'enchaînement, encore un. Quelle
Oui, il est pas content l'ancien là. Allez, premier clignotage. Ouh, ouh là là. Ah, en vrai, j'ai envie de gagner des points. Ça part en soumission. C'est pas grave. Oh là là, j'ai fait le con en vrai de vrai. Je me suis trompé de côté. Il a repris l'avantage au-dessus. Est-ce qu'il va essayer de se relever? Il va faire l'erreur. Ouais, c'est bon, je me remets en sécu. Ok. Je me remets en sécu. Est-ce qu'il va refaire l'erreur? Oui, il fait l'erreur. Hop, on le renverse tout de suite. On regagne des points. On prend aucun risque de points. Voilà, ça c'est bien bloqué ça. Ah, il a essayé de transiter dans une transition que franchement faut jamais faire en vrai de vrai. On va essayer de faire un peu des dégâts comme ça. Ouh. Très très bien ce qu'il a fait là. On va pas se mentir, c'est fort. Ok. On va tenter le cruci. Ah, le cruci il est passé. Je l'ai senti qu'il allait passer le petit cruci. Oh, bien joué à lui. Faut avoir un bon timing pour faire ça. Il va tenter le relevé, hein. Je pense. On est contre la cage. Ah, il a tenté le relevé, c'est normal. Ah, il veut me ramener lui au sol maintenant. Ah, t'es pas prêt, mon garçon. T'es pas prêt, mon garçon. Vas-y, où tu veux aller là? Ouais, ouais, après. Ouais. Ah, c'est juste ça? Non. Allez, hop, renversement, tout de suite. Incroyable. Eh, c'est ça que je kiffe dans la carrière en ligne, c'est votre personnage, il a les coups. Vous avez envie, vous connaissez ses transitions par cœur. Je kiffe. C'est vraiment incroyable. Ah, il va tenter une inversion bizarre, regardez là. Ah non, il va juste se remettre en sécu. On va se relever. Je pense qu'il y a moyen de le terminer. Hein. Il a plus de garde. Moi, j'ai plus trop d'enduit, faut que je fasse quand même attention. Mais il a plus de tête. Ouh. Je vais le jouer pas mal à la feinte là, parce que vous voyez, il attend, hein, il attend le contre. Il a plus trop le choix, faut juste travailler là. Et une proie blessée comme ça peut être très dangereuse. Vous êtes obligé de travailler sans prendre de risques. Là, on est sur du top 50, hein, les gars, en face 2300 de cote. Vous savez qu'il en a gagné des combats au vice. Oh là là, c'est dommage, j'aurais pu finir. Oui, ça peut être fini là. Allez, avant la fin du round. Oui, oui, merci monsieur. Merci monsieur. Très bon combat, on peut dire bon combat. Bon, il a tenté un pressing, mais sans être dominateur au niveau des coups. Et vous pouvez pas mettre de pressing si... Ah, bien joué à lui. On va lui mettre bon combat. Respect et bien joué, tonton. Non, t'as pas loupé beaucoup de choses, Mickey Lopez. Salut à toi, mon tonton. Salut Zachary. Salut Nicolas. Salut Max Bondreux, je t'avais dit bonjour déjà. Qu'est-ce qu'il a écrit, Lolo? Je vois qu'il a retiré un message. Merci les gars, merci, merci Barlou. Merci les gars. Ah, bah il est là, Maki. Bah, c'est bien ce que je me disais. Ouais, t'étais en vert, hein, t'es un sub. Hein. Bien joué, hein, bon combat. Hein. Bon combat, ça m'a réveillé les papilles tout de suite. Pour la carrière en ligne, ça permettait d'expliquer un petit peu comment je fais contre quelqu'un qui a ce genre de gameplay. Hein, parce que tu fais ouais, très chaud, très chaud. Bon pressing en fait. Hein. C'est quelqu'un, si vous allez paniquer, parce que vous avez vu, il vous colle hein, au début du combat. Si vous paniquez dès le départ, vous êtes foutu parce que là, il va vous toucher, vous allez faire n'importe quoi. Donc faut vraiment faire attention à vos barres et essayer de temporiser et trouver les bons timings pour pouvoir toucher. Tony Oral, salut à toi, mon petit, je sais pas pourquoi je dis mon petit, du 9-4, ah, on a un petit mal, oh, 21 points, hein. Merci à toi Maki, 21 points qu'on néglige pas du tout, hein, parce que peut-être que ça nous refait gagner une petite place, on va aller voir ça tranquillement, ouais, ça nous a fait regagner deux petites places même, donc c'est intéressant. Bon, j'espère qu'on va trouver des combats rapidement. Non, j'ai pas retiré. Ok. On n'a jamais senti qu'il pouvait gagner. Alors, oui, oui et non. Parce que le problème, c'est que je dépense tellement d'endurance à faire de dégâts que quand on se retrouve au deuxième round et que j'ai middle endu, bah, tous les coups que je reçois font beaucoup plus mal. Donc, ça, c'est compliqué. Attendez, hop. Ah, Zachary, il a fait péter son sub. Bienvenue à toi, Zachary. N'hésite pas à poser ton PSN dans le chat, on t'ajoute au groupe.
Particulièrement, on prend soin de ceux, bien sûr, qui ont pris leur sub de leur poche. Bien sûr, ceux qui ont eu un sub offert, vous êtes bienvenus. Mais là, au bout d'un moment, on va être déjà plus de 60 dans la partie vocale. On est plus de 250 subs sur le groupe, forcément. Après, je privilégierai ceux qui ont acheté leur sub, bien évidemment, et ceux qui ont offert, ceux qui ont reçu. Voilà, à part ceux que je connais déjà et également, mais obligé de forcément à un moment donné, les gars, de faire comme ça. Très long à trouver des joueurs. Ouais, clairement, clairement. Merci, mon petit frère. Reposte au PS7, Zachary. Excellent, mon petit claque-taver. C'est petit être sage, j'y ai pas pensé. Ah bah oui, c'est sûr, hein. Là t'es dans le top 100, forcément le matchmaking il est chaud. Vous voyez là ça galère. Hein. Ah, ça trouve un combat. Est-ce que ça m'a snipé? Parce que ça peut me sniper très souvent. Allez, salut, comment il va Don Falcon? Uzi E10, je crois que c'est un très très bon combattant. La dernière fois il me semble qu'il m'a donné un fil à retordre incroyable. J'ai vu qu'il avait des victoires là. Les gars, deux combats tout de suite contre du Div 20, ça fait plaisir. Et Zachary, ajoutez-le s'il vous plaît les gars qui sont dans le groupe, s'il a mis son pseudo. Ah, Uzi, dit pas bonjour. Il dit pas bonjour, le Uzi. Ouh, attention. Attention, au tonton. Attention, va falloir être mobile. Vous avez vu le coup de pied retourné tout de suite. Hein. Lui, il va faire le coup de pied marteau, je vous annonce tout de suite. On va essayer de faire attention. Voilà. On se met en mode ultra instinct. On commence à toucher le menton. Ok, oh, qu'est-ce qu'il fait avec son collier là? Après ça fait du bien de tomber sur un kickboxer, je vous mens pas. C'est vraiment cool, j'aime bien tomber contre des mecs un peu qui jouent les pieds, c'est relativement rare. Haute côte de tomber sur un... Posture à Stephen Thompson, hein, vous voyez. Là je temporise hein, parce que du coup il fait quand même pas mal de dégâts. Mais il dépense pas mal d'endu, on va pas se mentir. Pour l'instant, il dépense de l'endurance, ça me va, ok. Voilà, ça me va très bien, ça aussi, ce qui vient de se passer. Vous avez vu, hein, un triple coup au corps. Oh, j'arrive pas à faire mon... Ah, attendez. J'ai pas le bon profil, voilà, là on sent mieux, là. Ok, on va commencer à bien toucher parce que... Vous voyez ce qui m'emmerde, c'est la jambe pour l'instant, voilà, ok. Là, j'ai bien touché le pif. Ok, on lui montre que nous aussi on l'a. Ok, ça joue du coup de retourné. Oh, il a plus de garde. Ouh, la belle esquive. Oh là là, le coup de... Oh, il a pris un plein coup dans le foie. Allez, je commence à être un peu mieux là niveau timing. Je lui mets une pression, ok. Il est pas mal hein, sinon. Il a son petit... Oh. Il a son petit, voilà, low kick direct qui rentre pas mal. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mon endu, elle a souffert quand même, malgré qu'il fait des gros coups. Hein. Il a un bon jeu de jambes. Hein. Il a un bon jeu de jambes. Voilà, j'ai bien fait de remettre ma garde tout de suite. Bon, eh bien cette fois, on voit... Ce gros bleu à la cuisse, là. Ah, je suis en casse-garde. J'ai pas trop le choix. Ok. Il bouge bien, hein. Voilà, je l'avais dit qu'il avait le coup de marteau. Il bouge bien. Ah, par contre, ça c'est bien pour moi. On va le jouer au deuxième round. Hein. Je vais jouer au petit dégât. Ouais, le nez il est cassé, hein. Le nez, il est cassé. Le mien, hein. Encore, hein. Il touche, hein. Ouh, on va faire attention, hein. On va faire très attention. C'est pas forcément très, très fort. Mais c'est, voilà, ça touchait un petit peu. Vous voyez, le nez bien cassé, hein. Aïe, 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 aïe. Ouh, ça va être chaud. On va accélérer, là. Là, je vais accélérer, là. Obligé d'accélérer. Je vais pas aller chercher l'arrêt du médecin. Il peut tenter tout de suite un coup vicieux, hein. Voilà, il tente un. Lui, sa spécialité, c'est arrêt médecin, hein, on va pas se mentir. Ok. Ok, ça c'est bien, ça me plaît.
Ah, ça, ça me plaît moins. Je prends un gros dégât pour rien, là. Ah, faut que j'accélère. J'ai du mal à accélérer avec sa petite technique de... Il a mis en place son petit truc, hein, on va pas se mentir. J'ai presque envie de l'amener au sol. Parce que je pense qu'au sol, il doit sentir la chaussette. Je vais lui faire un takedown. Hop, hop. Bien joué, bien défendu. Hein. Allez, c'est là. Allez, premier clignotage. Ça, c'est bien, ça me fait gagner le round, hein, je pense. Ouh, attention quand même. Dans le combat après avoir été sonné. Il aurait fallu appuyer là où ça fait mal pour qu'il ne... Je vais commencer à jouer de la feinte. Et c'est à toi, moi. La tête baisse, hein. En vrai le taf il... Ouh. Sa jambe est touchée, ça se voit. Ouh. Le jab qui rentre. Et il part sur un single collar tie pour envoyer le plus de frappe possible tant que son adversaire sera bloqué. C'est une bonne technique pour faire de gros dégâts. Attention, je vous ai dit, hein, ça, ma vie elle est quand même basse. Hein. Allez, ça clignote. Allez. Il a voulu mettre tout de suite, c'est lui qui a le nez cassé maintenant. Oh là 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 là, il me le met. Un vieux coup de des enfers. Il a eu de la chance là. Oh la jambe. Eh la jambe, bien moyen que je lui casse. On voit bien que personne n'a voulu lâcher. Il faut que je l'esquive un peu plus lui. Oh. Et il aurait pu mettre KO là. En vrai de vrai, il aurait pu. Putain, il va me le mettre hein, peut-être. Hein. Ah non, non, c'est pas possible. On va à la tempo. Je vais à la tempo s'il faut. Pff, il a tout tenté. Hein. Et ma parole, il a tout tenté cet enfoiré. Je suis fini. Allez, allez, 40 secondes. Là, maintenant, c'est à moi de tempo. J'ai pas le choix. Il va me remettre un KO maintenant. Non. Ah, faut que je le tempo. Il n'y a pas le choix. Il va le refaire. Hein. Et lui, il a le doigt sur la reculade aussi. J'en peux plus. Là. Allez. Allez. Joe, le reculeur, debout. T'as de la chance. On va la jouer au troisième. Wouh! Des petits likes, les gars, pour le combat. Je pense celui-là, il mérite. Hein. Ah, il m'énerve, les reculeurs. J'aime pas les gens. J'aime pas les gens que comme ça. Je déteste. Allez, viens ici. Il faut que je capte son combo qu'il adore faire. Voilà. Oh, le nez. Le nez. Allez, faut que je capte son combo. Ah, il le fait bien. Ouais, ok. Direct, crochet, direct. Je savais qu'il allait faire ça. Ah! Je savais qu'il allait faire sa merde là. Uppercut, je fais l'esquive arrière. Son adversaire n'a même pas dû se rendre compte. Ah là, je perds ma patience. 100%. Là, je vais perdre énormément de points, les gars. Aïe, 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 aïe. Je l'ai senti. Je continue à presser. Je me rappelais de lui qu'il avait un style un peu. 54 points. Voilà ce que je vous disais. Ah, c'est pas grave. Et limite, je vais mettre la clim. Tellement il m'a donné chaud. Ce ratus. Ah, j'avais pas envie d'aller au sol et c'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais ben bien sûr. Ah, mais c'est voilà, après voilà, hein, chacun son style comme on dit, mais ah, lui il percera pas hein, en jouant comme ça, ça c'est sûr. Hein. Ah ouais, obligé de le courir derrière. Et bienvenue à Racer dans l'Ultimate Family. Il a fait péter son sub malgré la défaite, on me redonne encore plus de puissance. Pour enchaîner du ratus. Ah, il va y en avoir, hein. Je pense que ce soir, les gars, je le sens. Je l'ai sorti avant le live. Comme j'ai prévenu qu'il y avait live, les ratus, ils ont fait leur petite douche. Ils sont venus. Ils sont là, présents, pour nous tous. Ah là là, et on va juste regarder combien de places j'ai perdu, les gars, avec une victoire contre un ratus.
Ah, le coup de coude, je l'ai senti en plus. Son pattern, il était uppercut, et remet un uppercut et overhand. Si j'arrive à lui, je lui mettais une esquive à la Mike Tyson, 19e, hein. Je lui mettais une seule esquive à la Mike Tyson au moment où il fait ça, il prenait un dodo. Il prenait un dodo. Bah oui, des petits pouces, messieurs, quand même, des petits pouces. Et d'ailleurs, les gars, je voulais vous remercier. On est presque 7000 membres actifs sur la chaîne. Ah bah tiens, voilà quelqu'un qui m'a snipé alors. Voilà, passons la petite histoire. C'était quelqu'un qui était dans la team et qui, voilà, qui participait à la bonne vie de la team, etc. Et voilà, et qui a décidé de quitter. Ça a fait des petites histoires, etc. Bon, voilà. Bah, au moins, ça fait des combats, même si je sais qu'il m'a snipé. Alors, c'est un mec du sol, hein. Il va faire que ça, essayer de faire des takedowns, voilà, des clinches. Alors n'hésitez pas à gazer, hein, suivant le style. Ok, est-ce qu'il va monter dans mon dos? Non, il monte pas dans... Oui, il monte dans le dos. Ok. Allez, c'est parti. Maintenant, va falloir être patient. On va essayer comme ça. Le but, ça va être de se relever, si possible, le plus vite possible. Bon, bah pourquoi pas. Est-ce qu'il va retenter le dos? Eh, pourtant, je fais le R2, hein. Je fais le R2, mais ça passe pas. Hein. Tentative de soumission. Est-ce que ça va passer? Ok, je crois qu'il l'a feinté. Moi, j'en ai feinté une. Hop, j'en feinte une deuxième. Est-ce que j'ai réussi à la feinter la troisième? On va le savoir très rapidement. Yes, papa. Attention à la rubber guard, là. Ok. Beau travail au sol, belle réactivité. Il se relève. Le gauche passe à côté. Bonne garde haute. Ok. Alors j'hésite à rester un peu au sol quand je prends l'avantage comme ça. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Super single collar tie. Il sait comment faire mal et on dirait bien que le clinch lui est réussi. Il va faire des dégâts. Ok, ça s'est bien défendu. Ok, du moment que ça coûte de l'endurance, ça me dérange pas trop pour l'instant. Ça a été compliqué. Et allez, le super grand impound, le moment que ok, c'est bloqué une fois, il va aller en top monde. Oui, non, ok, il va aller en side control. Il dérange pas trop pour l'instant. Il cherche la blessure. Ok, on va rester comme ça. Attention le Dark Choke ici. Hein. Le Dark Choke. On va faire très attention à ça. Au pire, on retournera en half guard si vraiment c'est chaud. Ah, j'aurais dû bloquer 1000 fois ça. En vrai de vrai, j'aurais dû bloquer 1500 fois ça. Ah, il prend aucun risque. Hein. Alors ça, c'est pareil, c'est un style. Moi, personnellement, hein, je joue à un jeu pour faire ça. Les... Voilà, non, c'est impossible. On est sur un jeu de MMA quand même. Et on peut rester comme ça des 3 rounds. Hein. Allez. Il revient en sprawl. On va rester 40 secondes, hein, de toute façon. Au pire, on attend même que l'arbitre y relève. Ok, on transite, 20 secondes. 20 secondes, normalement, on peut pas prendre la soumise. On va lui mettre que des feintes. Ok, on se remet en sécu. Bon, il tape le ventre. Pour ça, il tape le ventre, bah, du coup, pour essayer de me baisser l'endurance pour pouvoir mettre une soumission. Certainement, la soumission sac à dos dans le dos. Et merci Douni pour les 5 subs offerts. Merci Doudou. Ça, c'est des vrais. Ça, c'est ceux qui sont depuis le début. C'est pas du ratus. Ah oui, oui, un bon cancer. Bah après, voilà, c'est des gars qui jouent pas forcément pour le jeu. Ils jouent juste pour être classés. Sinon, bah tu peux pas jouer comme ça, malheureusement. Sinon. Ah oui, il faut faire des dégâts. Hein. Là, y a pas trop le choix. Ouais, il veut clinch. Il veut clinch ou take down. Voilà, on a bien... Ah, j'avais bien défendu. Hein. Ça m'a bien drainé l'endurance. Il avait très, très bien défendu. On va pas prendre de risque, nous non plus. Alors, lui non plus, vous voyez, hein, il reste... Il va mettre des petits coups, ok. Ah, il se relève. Ah, ça, c'est nouveau, ça. Ça, c'est la première fois, je crois, qu'il fait ça dans l'histoire de... Ah, c'est parce qu'en fait, il veut vraiment aller dans cette position-là, contre la cage. Ok. Ta-ta-ta. Ok. Jolie démonstration de judo. Ok, il va à droite pour mettre en tapement. Ok, c'est bloqué, hein, la tapement, c'est ce qu'il veut.
Ok, ça tente tout de suite la soumission. Il essaye même pas de taper ou quoi. Ok, il bloque bien la tap mount. Hein. Ok, je bloque sa lombare. Ok. Il va faire à gauche maintenant. Voilà qui va laisser des marques. Attention au crochet, attention. Okay. Il s'est adressé, ça va cogner. Ouais. Et il bloque bien à gauche, hein. Est-ce que... Ok, retente sans barre. On lui laisse pas y aller. La position est dominante. Et ah, le relevé, c'était impensable. Là, il peut faire... Ah là là, celle-là, je l'ai pas bloqué. Du coup, je vais certainement la prendre. Ah, cette soumission monte en puissance. Ok, celle-là, il a bloqué, par contre. Ça, c'est très bien. Celle-là, elle a pas mordu. Aïe, celle-là, j'ai bloqué ou pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez, debout, le rat d'égout. Debout. Bats-toi comme un bonhomme. Voilà, tu vois, ça prend tout de suite des pêches. Allez, viens, au sol, c'est pas grave. Et en plus, le pire, c'est qu'il a snipe. Coucou. Ok, on va prendre aucun risque. Il veut monter son grappling, on va le laisser faire. Hop, 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 reste là, Elratus. Oh là là, ça c'était présomptueux. Oh, bien joué, très très bien joué. Il m'a laissé la placer quand même, on va pas se mentir. Ok, est-ce qu'il va la feinter? Non. Attention à moi. Ok. Je peux la bloquer en vrai de vrai. Ah, il a bien joué. Il a bien joué, il a bloqué. Ok, j'en prends une. J'en prends une. Elle me met à moitié. Hein. Ça veut dire qu'il a mis 5 étoiles. Hein. Ça veut dire qu'il a mis 5 étoiles là-dedans. Un homme capable, le Dooney. Bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Dos contre la cage, c'est hyper dur de parer. Bah ouais, parce qu'il y a plusieurs positions, etc. Après, quand tu fais vraiment que de ça, tu peux. Mais imaginez-vous, le jeu serait peuplé de personnages comme lui. Bah déjà qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le jeu. Mais en fait, il serait 12 à jouer. C'est ça le truc. Mais bon, après voilà, faut de tout, hein. Mais c'est comme si... Non. Et encore, Khabib, il faisait un peu plus spectacle. Mais en gros, c'est comme s'il n'y avait que vraiment full grappling dans le MMA. Bah du coup, ça serait du grappling. Mais c'est vrai que c'est sûr. Non, t'as Taser, dis pas que tu prendras pas le jeu. Il y en a pas beaucoup des mecs comme lui, t'inquiète pas. Alors Hotcot, il y en a beaucoup parce que ça marche bien. Mais il y en a pas beaucoup non plus. Ne t'inquiète pas, tu pourras combattre normalement, etc. Franchement. Il touche son adversaire avec ce coup de poing. On est, je sais pas s'il y a 3 rounds ou 5 rounds dans le combat, 3 rounds. Hein. Il a une bonne régène tête. Hein. Oui, il l'avait bien amené. Il bloque parfaitement ce coup de poing. Et il met pas un coup. On dirait que c'est même pas mettre un coup de poing. Le coup de poing. Le petit croche-pied. Ok. On va rester comme ça pour l'instant. Oui, c'est simple, mais c'est une bonne technique. J'ai envie de tenter le heel hook. Ok, ça part direct là. D'un côté, ça me va mieux. Mais il faudrait que j'arrive à le bloquer. Je suis présomptueux. Hein. J'ai tenté la full guard. On sait jamais. Ok, la hambar. Là, risque de passer en vrai de vrai. Ça peut être dangereux. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je la fais. Et ici, je la fais. Elle passe ou pas? Bah, elle est passée. Alors que vous avez vu, j'ai transité en même temps qu'on n'avait pas d'endurance. Hein. Mais j'ai pas assez de défense soumission, malheureusement. Donc, du coup, elle est passée. Ça, c'est le système. Autant j'adore le système de soumission. Mais là, je fais une feinte. Il mange la feinte. Ça lui vide sa barre d'endu. Mais il passe quand même sa. Bon, après, ça, c'est les. Oh, 64 points. Oh, oh, c'est une horreur. Je perds 64 points à. Barloumedaf, il dit dégueulasse à jouer. Bon, bah, ça, on est tous d'accord, hein, mais regarde. Alors voilà, t'as deux choix. Tu joues au jeu pour t'amuser, ou après, voilà. Hein. Parce que du coup, c'est développé, hein, ça fait 4 saisons de jeu comme ça. Hein. Je vous dis, à la base, il a entraîné certaines personnes de la team, etc. Hein, donc. Mais voilà, après, voilà. Pendant un temps, il y avait un. Comment dirais-je? Il y avait une envie, à ce qui paraît, de jouer un peu striking, etc. Mais même pas une pêche, en fait. Ouais, c'est...
horrible ce genre de type, il dit Crazy Swiss. Ouais, c'est... Ça te donne... En fait, en gros, si tu veux, regarde. Là, il y a une solution, mais c'est pour ça que ça peut être comblé. Regarde, je vais te montrer. Je peux mettre plus de stats, par exemple, rien qu'en position sup. En défense soumission, je suis bien. Mais en vrai, j'ai... Franchement, mes stats sont pas si dégueulasses. Je pourrais mettre un peu plus, tu vois. En vrai, je mets un bon 5 étoiles. Blocage, je suis bien. Après, je mets un peu des atouts. Mais les atouts, c'est pareil. Les atouts coûtent cher. 50 et 100 points. Par contre, bah, il y a des atouts intéressants. Par exemple, celle-ci. Améliore la défense contre la soumission en position inférieure. Coûte que 20 points. Très intéressant, ça. Mais il me faut des points. Il me faut des points! Mais c'est pas grave. Encore, on attend encore. Par contre, j'ai perdu 100 points en deux combats, hein, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Oui. Bon, même s'il y a eu quand même des pêches et il y a un peu plus d'activité, mais tout à fait, tonton, je suis complètement d'accord avec toi. Ah, bah oui, bien sûr. Après, voilà. Après, je donne toujours de l'exemple de l'ancien numéro 1 mondial qui faisait du... Comment dirais-je? Qui était youtubeur, entre guillemets. Et malheureusement, bah, il avait un style comme ça. Donc ça n'a jamais fonctionné. Bah, parce que vous pouvez regarder un combat comme ça. Mais quand vous regardez 10 combats d'affilée comme ça, bah vous y arrivez pas trop. À part si vous êtes vraiment un puriste, un jujitsuka dans l'âme, ça vous pouvez. Donc Tastazer achète le jeu, n'aie pas peur, le jeu n'est pas rempli que de ça. Ne t'inquiète pas, il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Alors il y a des styles, voilà, hein. Après c'est comme ça, c'est le jeu. Des coups de coude, des coups de genou, tu trouveras de tout malheureusement, des clinchers qui vont vraiment te spa. Il est très compliqué pour être vraiment au top, c'est-à-dire chaque prise de risque, elle est punie dans le jeu. Le but est de ne prendre aucun risque. Si tu ne prends aucun risque, tu as plus de chances de gagner. Plus tu prends de risques, soit au sol, en effectuant des transitions, ça veut dire c'est toi qui prends la décision de faire la transition, tu prends un risque. Aïe, 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 Donnie, il a encore fait péter un sub à Megan. Attends, je regarde tout, je remonte parce que j'ai pas lu tous les messages. Donnie, 5 subs, 6 subs pour Doudou, Rasseur, un sub. Merci les gars, vous régalez, on est 117 sur le live, dinguerie. Ils ont compris une petite douche, il m'a dit tonton. Maxi Flamèche, ouais, merci à Doudou. Hein. Des Flamèches, hein. Oh frérot, Genki. Où c'est que vous avez vu Genki Dama? Eh, c'est non, tu vois, j'ai pas réussi, tonton. Mais Tastazer, t'as pas le jeu? C'est abusé, quand même. 75 points. Ben, en fait, c'est là. Alors, un autre truc qui est abusé, qui est vraiment abusé, c'est. Vous gagnez plus de points quand vous mettez des soumissions que quand vous mettez des gros KO. Voilà, tout simplement. Ça veut dire chaque soumission que vous mettez, lui, il monte très vite. Quand vous, c'est-à-dire qu'un joueur en 55 combats, en 50 combats, vous pouvez avoir une très bonne cote si vous mettez que des soumissions. Ça, c'est clair, net et précis. C'est pour ça que vous m'avez vu dernier temps, quand je fais un combat, que je finis, tac, je finis mon combat, j'essaie de le finir en soumission. Bah, faudrait que j'améliore la défense takedown un peu au bois pour le dos. Et que je travaille parfaitement les tirages de clinch. Parce qu'une fois que je travaille les tirages de clinch contre la cage, c'est terminé. Donc, on retombe sur Baki. Là, il va y avoir de la bagarre. S'il y avait un cash prize à la fin, on peut comprendre. Mais ah oui, bah, il n'y a pas de cash prize. Hein. Si, pour voir leur petit nom. Après, c'est normal. La frappe touche à la tête. Oh, Maki, il est revenu avec des mauvaises intentions. Hein. Il a vu que je me faisais tartiner. Il a dit là. Papy, là, en mode faiblesse. Le crochet du gauche touche. Ouh, je prends des coups. Vous voyez, là, je prends des coups. Il envoie un autre crochet. Coup de poing bloqué. Voilà. Ok. Ça, c'est pas mal ce qui commence à... Vous voyez, il essaye de varier les hauteurs, là. Il s'est dit, tiens, il y a une touche à prendre. Là, mon but va être quoi en fait? Tout simplement, mon but va être de tempo. Il est reparti dans le même. Ouh, ça par contre, il le faisait pas. Il nous a fait un petit coup de genou pas beau. Voilà, le but va être de toucher vraiment avec des bons timings. Allez, mes coups fait mal quand même. Hein. Ouais, bien joué à toi, tonton. Ouh, il a pris les 4 coups. Son bras et il a On a été gourmand, hein. J'adore les gourmands. Moi je mets un high kick alors que je suis collé au mec. Hein. Oh là là, quelle agressivité dans ce début de combat. Bien joué. La machine à frappe d'entrée de jeu. Bien joué, tonton.
encore un jab. Belle série. Oh, là, ça bouge, là. Là, ça bouge, ma gueule. Ça qui est beau. Oh. Une vilaine coupure à la lèvre. Direct à la tête. Ça touche. Encore une en pleine tête. Oh, allez, ça a fait un retrait de but chacun. C'était très chaud, ça. Hein. Ça, c'était vraiment chaud. Ouais, là, je bouge. Hein. J'essaye de sortir de la... de sa trajectoire d'enfer là, parce qu'il est pas content le tonton. Là il a beaucoup de précision. Ah voyez, trop de risques j'ai pris là. J'ai pris vraiment beaucoup trop de risques. J'ai pas bien tempo. Là va falloir tempo jusqu'à la fin du round. Ouh, si je peux toucher une ou deux fois comme ça, ça m'arrange en vrai. Hein. Il rate son gauche. La tête n'a rien pris. Faut que j'arrive à rentrer sortir en fait, simplement. Et vraiment pas rester dans ces jabs directs. Voilà, ça c'est parfait ça. Ça j'aime beaucoup. Quand je reprends un petit timing tout milieu là. J'ai beaucoup dépensé dans du. Ouh, si j'avais passé tout doute. J'espère que t'as kiffé Baki celui-là. Celui-là dans le vent tu as kiffé. Il fait mal hein. Il a des coups qui font bien mal, on va pas se mentir. Ouh. Oh le crochet, il a piqué hein. Il a piqué le crochet hein. Non, pourquoi je mets un high kick? Je veux jamais mettre un high kick en vrai là. Dernière seconde du premier round. Ah, il veut la jouer au deuxième hein. Bonne tempo hein. Sa lèvre saigne énormément. Cette fin de round va lui permettre de respirer un peu. 46 minutes de live, 117 vues, 59 likes, 117 viewers. En vue, on doit être un peu plus haut avec les gens qui sont pas. Salut Liam D. Salut Rorono Benito, comment il va? Tu peux faire une dédicace à Mo le raton, mon tonton? Bien sûr, dédicace à toi, Mo le raton. Mais tu m'avais déjà dit, je crois, une fois. Attention, il envoie toujours un genou après t'avoir touché. Pour l'instant, ça va? Non, non, ça va. Ah oui, posez vos petits likes. Merci, messieurs. Une frappe énorme qui fait chuter son adversaire. Ouais, 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 très très bon combat. Hein. Il y a plein de cheats sur UFC. Ah bah, je les connais pas alors, mon pote. Mais c'est possible, mais ça m'étonnerait pas avec eSport. Hein. Ah, il a une bonne régène. Hein. Vous avez vu sa régène? Elle est incroyable. Ouh, j'ai fait n'importe quoi. Vous avez vu ma barre d'endu? Ce que je vous dis de jamais faire, je viens de le faire en direct. Attention le coup de genou quand même. Hein. Blocage parfait, et voilà, il provoque des dégâts chez son adversaire avec ce coup. Oui, je vois une coupure à côté de son œil. Mais c'était une belle frappe. La coupure n'est pas trop grave, mais... Bien joué à lui, hein. Oh, c'est moi qui le prends. Ah ouais, ma barre de vie. Eh, voyez, je suis pas concentré, là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Dodo. Eh, ce soir, je fais pas attention à ma barre de vie. Hein. Mais vraiment, vraiment. Bien joué. Hein. Bien joué, il a pris sa revanche. Bon, bah, ça va se réveiller. Ça va devoir se mettre des gifles. On va s'ouvrir une petite Red Box, là, je crois. Il va falloir une petite Red Bull, hein, pour... Ah, je fais pas fait attention à ma barre de vie. Hein. Bien joué. Hein. Fais voir combien on touche. Combien de fois je touche. Alors, attendez, j'attends que les chats... 54 frappes significatives, je prends pas énormément de frappes, non, hein. Franchement, je prends moins de frappes significatives, mais je meurs, donc c'est vraiment que je fais pas attention à ma barre de santé, hein. Je prends 3 mises à terre à cause de tous les jabs directs, hein. C'est sûr et certain. Hein. Oh. Full défaite, bah écoutez, c'est... Eh, vous savez ce que ça veut dire? En vrai de vrai, full défaite, ça veut dire un truc. J'ai envie de réinitialiser le perso en direct, live, comme ça, mais ça va être dur, je vais crier après. Je vais crier si je réinitialise et que j'ai plus les coups 4 étoiles. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je crois que c'est la première fois. Hein. Je crois que c'est la première fois de l'histoire. J'ai perdu. J'étais 15e, on était sur une full victoire. J'ai perdu 18 places. 18 places. Ah, je pense qu'il va y avoir la belle, hein, c'est sûr. On va passer en mode concentré. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Joli combat, ça j'avais vu. Non, des cheats, je pense pas à proprement dit des cheats. Honnêtement, je pense qu'il peut y avoir des bugs, mais non. Des cheats, j'y crois pas. Bonsoir, comment on fait pour s'entraîner avec l'équipe? Eh ben, tu poses ton petit sub, mon tonton.
Ah, j'ai envie de passer le prestige. Genre, là, plus ça va. En vrai, allez, si je refais une défaite, là, je passe le prestige. Ouais, si je fais, on va le faire ensemble. Ouais, mais je vais vite remonter. Vous êtes marrant. Vous imaginez le nombre de combats qu'il faut faire? Mais en vrai, il reste 26 jours. S'il reste vraiment, vraiment 26 jours, effectivement, il y a le temps. Ah, vous voulez que je passe le prestige? On va mettre des nouveaux coups. C'est obligé, on va mettre des nouveaux coups. Je pense même qu'on. Je suis hésitant. En fait, je suis hésitant à faire un full boxeur et sol. Parce que là, j'ai un boxeur kickboxer. Ok? Mais on voit que certains combats, c'est difficile. Par contre, si je mets beaucoup de stats au sol et que j'ai par exemple moi de l'attaque soumission, etc., etc., ça peut être très intéressant. Sachant que j'ai mis énormément de temps à avoir les coups 3, 4, 5 états. Il n'y a personne en combat. C'est une horreur. On est tombé sur Maki, les mêmes personnes. Il n'y a vraiment personne. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Avoir des défaites et des beaux combats, je suis preneur. Oui, effectivement. Là, c'était bon combat. Ah, plus bon, j'arrive à voir à peu près mes erreurs. Hein. Mais vraiment, là, c'est une histoire de je fais pas attention à ma barre de vie. Je la régène pas assez. Pourtant, j'ai une très bonne récup et je l'utilise pas. J'ai pas de timing. Il n'y a rien. Une chips. Alors, je vous avoue que, bon, vous m'avez pas vu pendant 4 jours. Bon, j'ai fait en plus, même pas une grosse soirée. Hein. J'ai fait une mini soirée. Et j'ai mis 2 jours à m'en remettre, les tontons. C'est l'âge, hein? Mais waouh! Dans un état, mais pas vif, hein, je peux vous dire. Hein. Je trouve pas d'adversaire, ça me rend encore plus dingue. Allez! Jab direct, tu fais la feinte à la Mikey. Bien sûr, ouais, mais il y a plein de petits trucs là. Je suis pas dans le move. Comment on fait? Ben, ça, j'ai vu. Chronus, ouais, le Chronus. Ouais, c'est vrai que c'est un cheat. Après, je crois que le Chronus, ça a été un peu. Comment dirais-je? Ça a été un peu réduit, nerf. Allez là, trouvez-moi des combats là. En oh, dingue ça. Ça passe le prestige, on fait péter les subs. Ah mais vous imaginez pas comment ça va être difficile. Ça veut dire là tous les combats qui étaient déjà difficiles, ça va être mais impossible de les gagner avec des coups une étoile. Vous vous rendez même pas compte. Je suis même hésitant si je remets le looping cross, est-ce que je remets la posture à Stephen Thompson? Parce qu'il faut savoir que là, j'ai plus la posture. C'est quoi déjà? On va commencer par ça. Je veux juste remettre la posture à Thompson. Ah, mais en vrai. Non. Non, non, non. Oui, voilà, j'hésite. Ritano. Non, qui c'est qui a dit ça là? J'ai vu passer là. Retour du left. Le hook kick. Le hook kick avec le side kick. Mais recours du side kick au corps aussi, obligé. En vrai, le sidekick. En fait, j'hésite vraiment à passer le. Putain, vous m'énervez, j'ai envie de passer mon prestige. Bon, vas-y, je passe mon prestige. Vous avez gagné. Allez. Attendez, je regarde vite fait que je refasse un peu les mêmes stats quand même. Parce qu'elles étaient super bien ces stats. Je vous mens pas, j'ai kiffé quand même. Voyez là, j'ai envie de glitcher. Je vous mens pas, j'ai envie de mettre, je sais pas moi, puissance à fond. Mais il vous faut précision laser pour avoir la puissance à fond. C'est ça qui rend dingue. À moins que je mette vitesse coup de poing à fond. Mais il faut main rapide aussi, c'est toujours le même bail en fait. J'ai vraiment envie de. Je suis vraiment hésitant. Défense takedown, j'ai 3 étoiles. Franchement, attends, calmez-vous là. Attendez, je refais un combat, je veux trouver un combat quand même. Et ouais, voilà, Souza, il a raison, je vais me mettre en galère pour rien si je passe mon prestige. Mais c'est vrai, ça va. Vous imaginez pas comment ça va être dur. Vous imaginez même pas comment ça va être difficile de ouf. Mais après, il y a 2-3 coups que j'ai envie de mettre. Vraiment, que ça me tue. Je vois que tout le monde est chaud pour que je passe le prestige. Hein. Vous êtes des ouf. Hein. Je vois tout le monde. Let's go. Prestige, prestige. Ah. Est-ce que ça fait péter des pouces pour les prestiges? Force pour le prochain combat, j'annonce. Tu joues mieux en galère. Alors ça c'est vrai. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui me l'a déjà dit quand même. Je joue mieux parce que comme je sais que j'ai des petits coups, je prends moins. Enfin, je fais moins le con. Ouais, mais j'aime bien faire plaisir quand même. Tu sais, c'est un petit défi quand même. Voilà, c'est simple les gars. Eh hey, les gars, il y a combien de pouces là? On va faire ça. Si on atteint le cap des pouces ou s'il y a quelqu'un qui fait péter. Non, rien.
si on atteint le cap des pouces, voilà, on va faire juste ça. 100 likes égale 5 subs. Comment ça, 100 likes? Ah, on a 100 likes. Eh, les gars, 100 likes. On a 100 likes. Ah non, il faut 100 likes. Ça va être dur, hein. Ça va être dur, les 100 likes, les tontons. Parce que là, on est à combien, là? Quelqu'un peut me donner le... Attendez, je vais regarder, même moi, en vrai de vrai. En vrai de vrai, attends. Non, j'arrive pas à voir. Eh, par contre, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. J'arrive pas à trouver un combat, les gars. J'arrive pas à trouver un combat. 76. Merci, Ilias. Par contre, ça me rend vraiment dingue. Ça rend dingue. Vraiment, ça, c'est... Merci, les gars. Je vois que vous êtes des ouf. Putain, ça m'énerve, là. Venez, ils sont... Vous êtes où, là? C'est vendredi soir. Me rendre fou, là. Je vais venir vous chercher chez vous, quoi. Allez, là. Bah, ici... Alors, les gens sont pas radins sur les pouces. En fait, Tastazer, tu sais ce que je pense? C'est que souvent, les gens, ils oublient. Moi, des fois, je viens dans un live et tout, et j'oublie de taper mon meilleur pouce, tu vois. Ouais, Dark Snipe, viens, viens. Exactement, Dark Snipe, viens. Bonne idée, y a personne. Dark Snipe, si tu me bats... Je réinitialise. Enfin, je passe mon prestige. Voilà, c'est simple. Là, on va affronter tonton Dark Snipe, donc qui est dans la team d'entraînement, qui va certainement faire top 100, les gars. C'est même sûr, il va faire du top 100 là, cette saison. Il va lancer un combat. Allez, c'est parti. Vas-y, je t'attends. Allez, c'est parti. Le voici. Le voilà. 8 victoires pour moi, je crois 3 ou 4 pour lui. Ah, bande d'enfoirés, ça veut me tartiner? Non, mais je parle pour Benoît. C'est le début de l'affrontement. Allez, on va la jouer, on va voir, on va analyser ce combat, les petits défauts. Alors attention, déjà on a vu qu'il y a du backfist. On a vu qu'il y a du backfist. On va faire attention au backfist, qu'on n'aime pas bien le backfist. Backfist fait très mal. Peut-être intéressant de le mettre d'ailleurs, hein, pour le... Ça peut être intéressant. Est-ce que tu l'as 5 étoiles? Je lui demanderai tout à l'heure. On est bien. Le timing est pas trop mal pour l'instant. J'ai pas pris trop de coups. On fait un peu de gourmandise de toujours. Ouh, j'ai pas trop mal touché. Ouh, attention, hein, combo 4 étoiles ou 5 étoiles, on les a vu arriver. Il faut pas les prendre les 4, les 5, hein. Le coup ne passe pas. Il place un combo parfait. On a bien touché là, mais pas assez. Attention, le retrait de buste, on l'a vu arriver, hein. Ça passe, cet uppercut. L'enchaînement, encore un. Quelle vitesse! Oui, le backfist. Et heureusement qu'on n'est pas en poids léger, je vous le dis tout de suite. Hein. Ok, pour l'instant j'ai tempo, mais ma garde a souffert. Hein. Je sais pas si vous voyez, ma garde a bien souffert. Oh, pardon. Ma garde a bien souffert avec son backfist. Donc je vais pas prendre trop de risques. Et voilà une nouvelle série de coups de poing qui fait mouche. Ouais, j'ai l'impression que... C'est surtout mon blocage, je suis choqué du blocage en vrai de vrai. Enfin, tant que ça marche. Le coup de poing, oui. Blocage vraiment bien pété, hein. Un certain talent pour la boxe. Le direct à la tête a trouvé sa cible. Ouais, j'ai bien tempo, ça me fait le plaisir. De toute façon, il le fallait, hein. Joli leg kick. J'aurais dû le mettre le leg kick en vrai. Allez, là, il m'attend à l'arrêt. Voilà, ça touche. J'ai du mal à lui faire des dégâts, j'ai l'impression. J'ai l'impression que je fais nos dégâts ce soir. Oh là là, il a pris le coup de pied marteau de Thor, mais c'était à moitié... Oh! Attention, attention, très très bon. Et même s'il l'a cédé, il a récupéré. Par contre, je commence à avoir un middle kick. Rien que le middle, hein. Il fait vraiment plaisir le middle. Hein. Super coup de pied. Le middle kick, vraiment, qui commence à claquer là. Tous les deux partis dans un échange incroyable. Allez, je suis un peu revenu au niveau de la garde.
Oh, par contre, le middle kick, il est passé où? J'aimerais bien le savoir, là. Vraiment, qu'on me le dise. Il le bloque en puissance. Fin de round acharné. Yo tout le monde, j'espère que ça va papy, c'est un signe si tu trouves pas de combat, le précise toi-même tu sais. Ouais Julien, exactement, ça c'est vrai ça. Moi je dis troisième round, c'est un coriace papy. Merci les gars, merci Don Falcon, le seul qui me soutient, les autres, fuck you. Salut papy, merci pour les tutos, tu m'aides à bien progresser. Et ben de rien, BX Dream, ça fait plaisir, hein. On est là pour surtout aider en vrai. Voilà. Allez, c'est parti pour le deuxième round. Bon, assez satisfait, hein. J'ai perdu moins d'endu, moins de vie peut-être. Je sais pas, c'est à voir. En vrai, je suis pas sûr. Par contre, c'est ma garde. Ma garde, c'est une catastrophe. Et pourtant, j'ai du 4,5. Hein. Ouh, le nez, le nez. Le nez. Le nez à Dark, il a souffert. Ouh là là, l'esquive à la Mikey a passé une première fois. Oh là là, le coup de genou. Le granite pop peut-être qui va terminer. On va partir en bar. En fait, non, on part pas en bar, on part en backsighting. On se met dans son dos, on bouge plus. On tempo parce qu'on a fait n'importe quoi. Il a tenté à gauche, on le bloque, en haut. On se relève. Ouh, ça c'était une bonne phase. Allez. Le jab, voilà. Il pose ses bases là. Alors le problème du backfist, hein, voilà, hein, quand vous maîtrisez bien l'esquive à la Mikey, le backfist c'est très dangereux. Voilà, il a tendance à le faire assez régulièrement, donc ça j'ai le, comment dirais-je, j'ai le pattern. Hein. Donc il a et backfist et looping cross, quand même deux coups qui sont dangereux à l'arrêt, mais voilà, il faut, c'est quand même, tu peux les esquiver. Bien joué, il peut tenter son... Je lui fais trois fois. Parce que vous voyez, il aime trop son backfist. Ça, c'est son petit défaut, je viens de capter. Ouh là là. Ouh là là, le jab dit. Oh là 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 là, le coup de pied marteau de Thor. Aux anciens, pourtant, il le connaît par cœur, le tonton Dark. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, très très bien joué. Qui c'est qui avait dit au round 2? Eh, bienvenue à BX Dream qui a fait péter son sub pour remercier Papy. Ben, bien joué à toi, Dark. Merde, pardon. Merde, je mets merci comme un ouf. Respect, bon combat. Belle prise, bien joué, bisous mon tonton. Carrément bisous. Merci mon tonton, tu m'as relancé un peu là, tu m'as. Là tu vois, j'ai pris mon timing, j'étais pris très très au sérieux. Tel Super Saiyan 12 mon frérot. Merci beaucoup BX Dream. N'hésite pas à mettre ton pseudo si tu veux qu'on t'ajoute dans le groupe d'entraînement. Round 2 pour Dark normalement MDR. Là, qui c'est qui avait écrit ça hein? C'est Benoît. Hein. Faut que je remonte mes coups, ça fait pas du tout. Là, j'ai reset hier. Ah, tu vois, ouais, ça sentait qu'il faisait. Par contre, ouais, du coup, backfist, t'en es satisfait. Moi, je trouve, il est bien, hein, mais... Après, ouais, c'est vrai qu'il est bien. C'est vrai qu'il est bien, mais moi, j'arrive pas à me faire hein, ce backfist-là. Mais c'est vrai qu'il peut être très, très bien. On regarde un peu les frappes, comment ça s'est passé. Donc, ouais, il est là, le problème. Tu vois, t'as pas beaucoup touché, au final. T'as fait beaucoup de frappes, mais tu touches 39 fois. Ça veut dire tu touches un coup sur 3. Moi, j'ai touché quasiment un poil plus, un coup sur deux quasiment. 7 et 7, 14, un peu moins, un coup sur 1,8. En frappe significative, j'ai pas mal, j'ai fait énormément de frappes significatives. Hein. Ouais, j'ai poussé. Hein. Là, j'étais concentré, je te mens pas. Non, sur la play, mon pote, sur PSN. Mes calculs n'étaient pas bons. Allez, on veut le left hook kick. Ah, il va arriver. Vous savez quoi, première défaite, on remet. Hop là, quelqu'un peut l'ajouter? Doudou, t'es là, Doudou? Ouais, il est là, Doudou. Il est là, Doudou. Son pseudo, il est affiché là, les gars. Normalement, il est affiché, je sais pas si vous le voyez. Quelqu'un peut afficher? Moi, j'arrive pas à faire le truc affiché là. Ce message est soumis à examen. Je sais pas comment ça se fait. On est plus de 100 viewers, les gars, quasiment depuis le début du live. Bon, d'ailleurs, je vous remercie à tous, hein, on est quasiment 7000 sur la chaîne. Sachant que quand j'ai recommencé UFC 5, on était 3700. On a pris, bah voilà, vous êtes 3000 de plus. Merci beaucoup à tous ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Ouais, Mackie 92, n'hésite pas, tonton. Voilà, par contre, attention, je le redis, le groupe, c'est un groupe d'entraide. Il n'y a personne qui vient pour tartiner juste les gens et s'en aller comme ça. C'est un groupe d'entraide. C'est vous venez un petit peu en vocal si possible. Vous n'êtes pas juste là pour. C'est pas un concours de. T'as capté? C'est pas un concours de zboubi.
C'est vraiment un groupe d'entraînement. C'est comme si tu viens à ta salle d'entraînement, t'as vu? Voilà. Donc ça, je le remets toujours en place pour les nouveaux qui arrivent dans le groupe. C'est comme si tu rentres dans un dojo. Voilà. Donc tu respectes tout le monde. Ça, c'est dans la bonne humeur. C'est des amis, c'est des collègues, hein. C'est des collègues d'entraînement après que tu auras. Voilà, il y a des affinités qui se sont créées. Des gens qui s'aiment bien, etc., hein, qui passent du temps. Voilà, c'est la salle du temps, c'est la famille, ça parle de tout, hein, ça parle pas que du UFC, ça discute vraiment de tout. Je passe très très souvent, hein, les gars, hein, je passe très très souvent. Donc voilà, c'est franchement super content de tout ça. Super content. Par contre, il y a vraiment personne, hein, c'est un truc de ouf, hein. C'est vraiment un truc de ouf. Ça me déprime. Là, c'est la première fois que ça fait ça depuis longtemps. On est dans le creux de la saison. Et surtout, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Le championnat division vient d'être réinitialisé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en championnat division actuellement. Est-ce que vous voulez, on trouve pas de combat. Est-ce que vous voulez qu'on parte en championnat division? Je pense que ce sera la meilleure des solutions, non? Sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va aller en championnat division classique là. Alors, on refera un live dimanche, les gars. Dimanche, bien sûr, il y a un live. Et là, je pense que dimanche, il y aura du monde. Parce que ça fera déjà 2-3 jours que la championnat de division aura commencé. Ouais, Maki, la belle. Allez, allez, Maki. Allez, c'est parti pour la belle. Parfait. Ça clôture la carrière en ligne pour ce soir. Allez, lance. Bah, merci, Max. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Max, il dit, en tout cas, papy, respect pour ce que tu as fait jusqu'ici, car une belle équipe en vocal. Pas de souci, c'est juste, je valide le concept. Ok. Parfait, Maki. Moi, je veux bien m'entraîner, j'en ai besoin. N'hésite pas à prendre ton petit seum. Mais est-ce que c'est Genki-Dama que je connais ou c'est un nouveau? Parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Genki-Dama, mais je pense pas, il m'aurait dit, j'aurais reconnu. Là, je suis en recherche, hein, tu peux lancer, Maki. Bon, je vais renommer le live pour la première fois, je pense, depuis la 4 saisons. Hein. Un live. Non, je me fais tartiner pendant tout le live. Ma parole, je vais mettre ça. Ah non, c'est pas toi. Alors, déjà, j'aime pas les mecs qui nous sortent des têtes de Bigfoot. Je me fais tartiner pendant tout le live. Voilà ce qu'il veut mettre. Viens là, Bigfoot. Ce combat dans la superbe arène O2 de Londres en Hop. Angleterre. Gros Allez. coup à la tête, mais ça Qu'est-ce ne qu'il dit passe pas. Bigfoot? Ouh, Bigfoot. Oh, il lag Bigfoot. Ah ouais, l'autre il est au Tibet. Coup de poing Je sais qui pas ce qu'il nous débouche fait là. Oh là là, la et ça connexion de arrive. fromager. Mais sérieux, mais sérieux. Regardez-moi ça là. Il est où Besoin lui? d'appuyer au corps. Ah là là, ce soir c'est Contre chaque coup catastrophique, des hein. poings. Ça me rend dingue. Regardez ce coup de pied, Oh pas là là, mal je du peux pas jouer. tout. Ah Je oui, peux pas c'est jouer, lag de très ouf. bien. Vraiment ça? Il passe à côté avec ce puissant crochet. J'ai vu péter les jambes, hein, y a rien à faire d'autre, hein. Regarde ça, comment tu Joli veux jouer? crochet à la tête. Ah là là, désolé Et hein, les gars bonne pour le spectacle, défense, mais. les mains Là, hautes je vais pour se casser la protéger cheville la à l'autre tête. machin là, Au à travail, sa Bigfoot. garde était bien fermée pour bloquer la Ah, il m'a mis un coup de défense. pied marteau de temps. On va la régène celle-là, on va pas faire le con. Ça, mais comment tu peux être un abonné toi avec une connexion comme ça là? Tu me regardes de où frérot là? Il enchaîne les coups de Sérieusement? pied au corps. Tu nous regardes de où? Bon, après je comprends, peut-être il y en a dans la France Les qui kicks jouent avec un panneau réussis. solaire et une Starlink, mais. Ah, il clinche. Attention, il engage le clinch. Il clinche. Est-ce qu'il veut utiliser ses genoux et ses coudes Il clinche et il pour veut faire pousser du le sol. rebound? Et voilà, on y est, place au clinch. Allez. Mais Ah ouais, c'est par pas contre, trop ça, tôt par pour se contre, venger faut faire de ses attention sentiments parce tout de que. suite. Il Parce que peut au sol, perdre un la mec qui lag, mémoire moi je suis un ouf, plus moi. tard. Vous voyez, je peux pas lui Il bloquer. a son Ah, je droit. peux pas lui bloquer. C'est une dinguerie. Il ajuste sa position. Et il esquive d'un petit mouvement de tête Allez, on pour se remet tout de récupérer suite en son full guard, rebond. on va pas faire le fougueux. On En a full poussé guard, l'erreur. on a réussi à la passer. Allez, tu prends la Pourquoi pas suite. essayer de lui caler une soumission toute mignonne à lui? Non? Allez, Le debout, combat debout, va debout, debout. continuer debout. En vrai, j'ai pas le temps pour toi.
Ah là, tu lagues plus là. Là, bizarrement, tu ça y est, hein. T'as enlevé ta box de la boîte de chaussures, hein. Et la combinaison, encore une fois, que c'est beau à voir. Il est parfait. Mélange de frappe, changement de hauteur, dur à lire pour son adversaire. Et le coup de poing qui touche. Ah, il a des talents de boxeur. Son crochet du droit est passé à côté. Oh là là, le... C'est parti pour un peu de clinch. Cette fois, le combattant s'engage dans un single collar tie. Ah, je prends des dégâts quand je fais ça. Hein. Mais. Va faire mal. Clinch de nouveau. Une place impuissante coup de genou au corps. Voilà. Avec une belle série de coups de poing. Voilà, Bigfoot. Voilà, Bigfoot. Voilà, Big. Oh, il m'a fait du dégât. Eh, j'ai pas le bon timing. J'ai pas un bon timing pour. Il y a un combo là ce soir que d'habitude je fais. Je fais tout crémeux et là j'arrive pas. Ah, je le prends. Hein. Je le prends. Hein. Ouh, Bigfoot. Je vais m'occuper de ton cas. Barloumedov qui a fait péter son sub également. Eh bah, bienvenue dans la team. Ah, mais Doudou, il a fait péter 5 subs aussi. Doudou, il en est à 11 subs d'offert ce soir. Doudou, qui est à la première place, évidemment, du classement. Je crois qu'il a dépassé Cruz, d'ailleurs. Eh, hey, petite bisette à toi, mon petit Cruz. J'espère que tu vas bien, que la santé, ça va, surtout. Très, très important. Les mecs sont encore à la DSL. Merci, Doudou. Merci, Doudou. Merci, Doudou. Faut que je me calme. Ouais, calme-toi, Doudou. Calme-toi, trop chaud ce soir. Ah, merci les gars. Papy, tu es trop gentil, les mecs. Je te regarde jouer. Bah, c'est pas grave, hein. Tu sais, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, mon petit gars. Mais on accepte. On aime bien. Après, ça a toujours. Je suis habitué, en gros, ça a toujours été comme ça. Hein. Ça a toujours été comme ça. Sur UFC 3, c'était pareil. Sur UFC 3, c'était quelque chose, hein, le snipage aussi. Vu que j'étais en Ultimate Team. Donc moi j'étais sur Ultimate Team sur le... On va essayer de se faire plaisir quand même jusqu'à la fin. En vrai ça va, hein. Si je fais pas le fougueux là, le combat je... Voilà. Voilà. Toi t'as voulu me mettre un coup de pied marteau toi. Toi, allez couche-toi là. S'en fout ces gens. Salut Nono Ladé, bienvenue à toi dans la team des anciens tonton. Faites péter vos subs, j'allais dire. Faites péter vos PSN. Ouais, Barlou, envoie ton PSN. Et Barlou, pareil, parce que je sais qu'on se connaît un petit peu, etc. Barlou, c'est voilà. Le groupe, c'est tranquillou, mais je pense qu'il n'y a aucun souci. Merci à toi d'être là. Voilà, c'est vraiment un bon groupe. C'est pas les groupes que t'as l'habitude peut-être sur les autres groupes PSN. C'est vraiment un groupe, tu vas voir. C'est quelque chose. Ah, mais sans déconner. Sans déconner. Eh, merci les gars, vous êtes des ouf. Merci ce soir, vous avez régalé encore. Hein. Et ajoute. Attends, il est où ? Nono Ladé, n'hésite pas à mettre ton PSN, mon tonton. Merci encore à Douni, merci à tout le monde. Mais régalé encore, gros live ce soir. Hein. Non, t'inquiète, il y a des modérateurs. Il y a des modérateurs, Rasseur. C'est Douni qui, là ce soir, c'est Douni qui vous ajoute. Mais par exemple, il y a qui d'autre qui peut vous ajouter ? Attends, je regarde. Mais tous ceux qui sont en vert et qui sont dans le groupe peuvent vous ajouter. Donc une fois que vous y êtes, vous pouvez ajouter, uniquement ajouter ceux qui sont sub d'ailleurs les gars. Bah c'est pas grave Thomas Delange, on te l'a offert pour l'instant, je te dis, tant qu'on n'est pas full dans le groupe, vous pouvez être invité ceux qui ont eu un sub offert. Voilà, bah voilà, tu prendras ton sub le mois prochain mon tonton. Parce que les subs offerts sont valables qu'un mois, et l'accès au groupe du coup aussi est valable qu'un mois. Mais avec plaisir les tontons. Hello papi churros. Jidoudou, le doudou. Vous m'avez ajouté les castagneurs des canards. T'as mis ton... Ah, je pense que le pauvre doudou, il est complètement débordé par les pseudos. Donc, il est pas là. Il n'y a pas Cruz ou Lolo. Non, je les vois pas, ni Cruz ni Lolo. Ni Célas, ni personne. Pour ajouter dans le groupe, il n'y a plus que doudou. Ah si, c'est là. C'est dans le secteur, non? Eh, j'en ai décroché mon casque. Elle est là, la revanche. La belle, dirons-nous ce soir. Allez, donc on sait qu'il va mettre une pression d'entrée. Oh, le direct, quelle frappe! Sa technique a fait la différence, là!
Le petit jab, classique, non ? Oui, là, je rentre en mode. Plus puissant. Joli crochet qui touche au corps. Et la tête, encore un coup qui touche après cette combinaison incroyable. Ce qui est incroyable. Ah, une double feinte, elle est passée crémeuse la double feinte. Ne se protège pas mieux. Inattention sans doute. Oh le coup de poing. Quelle belle allonge. Pas le temps de se mettre en place. Une minute et oh le coup de pied marteau de tort, elle a failli faire mouche, mais j'ai fait des bons dégâts en vrai. Faut que je régène en folie. Voilà. Oh, je fais des bons dégâts, c'est en vrai, ça c'est très bien. Il a un très bon crochet, vous avez vu l'anime? Faudra que tu nous dises ce qu'il t'a mis comme posture, Maki, pour tes crochets. T'as vu l'anime de son crochet? Il a rien à voir avec mon crochet. Je sais pas si vous voyez la diff. D'ailleurs, j'ai mis Max Holloway en vrai pour avoir la... Oh! Pour avoir une bonne posture. Attendez, je me concentre. Cette fois, il n'a pas su enfoncer le clou, il pourrait le payer cher plus tard. Ah, j'ai dépensé beaucoup d'endu, mais je veux faire mal. Quand il se protège et ne prend pas plus de coups, ça devrait aller. Il faut maintenant qu'il remonte sa garde. Ah, il est en mode déter en vrai là. Ouf. Et la frappe est neutralisée. Oh le nez qui casse. Ah là je suis en mode super timing en vrai de vrai là. Ah tout est timé là. Tout touche. Attention quand même. Voilà. On a réussi à mettre la spécialus. Le nez il est cassé. Ah il faut casser le nez encore. On lui laisse pas remonter sa vie. C'est ce qu'on appelle marteler son adversaire. Comme toujours, un ground and pound féroce. Bien joué. Là il peut tenter sa soumise mais il reste 30 secondes. Ok il tente sa soumise. Il retente. Non. Wouh. Wouh, j'ai réussi à tempo un truc de ouf hein. Je vous mens pas là, j'ai fait une tempo. Ça aurait pu se retourner contre moi. Ouais. Ouais, je pensais qu'il allait se lever pour essayer de faire. Et là j'ai fait un très gros premier round les gars. Là. Oh là là, là je suis pas en mode. Mon pseudo. Bonjour à tous, j'ai tryhard GTA pendant des années. Là je suis nouveau sur UFC, bah bienvenue à toi. Je joue sur PS5, mon tonton. C'est déjà fait, Nono et Barlou. Ouais, merci à Doudou. Hein. Ce soir, il se creuse. Merci, mon Doudou. Posture Kimbo Slice. Ok, intéressant. Intéressant, t'as vu, c'est pas les mêmes animes de crochet. Hein. Moi, j'ai Max Holloway. Je vais tester ça après. Et revoyons la frappe qui a entraîné sa chute. On va regarder tout ça après. 1h18 pour 111 personnes. Ouais, c'est bien, ça me fait plaisir quand même. Et faites-moi péter les likes, on arrive au 100. Allez, c'est reparti. J'ai dépensé beaucoup d'endurance, hein. Vous avez vu ça, les gars? Ouh. Ah, il est revenu avec de nouvelles intentions au deuxième round. Mais par contre, je crois que le travail est déjà fait, en fait. Le nez est cassé. Je vois que sa garde souffre, à moins d'un mauvais... Et là, vu son état, on pourrait vite basculer vers l'arrêt du combat. Ah ouais, là, j'ai trop pressé. Je suis trop en mode timing. Il a fallu sortir le mode ultra instinct. Allez, ça part au sol. Ça me plaît, ça. Là, ça varie, là. Là, c'est du MMA, là. Allez, viens, mon tonton. Allez, viens. On est bien, là. On est bien, c'est pas grave. Tu veux aller en top mount? Tu veux aller en top mount? Ah non, tu veux aller debout. Ok, c'est cool. Hop là, bah moi, je préfère qu'on se relève. Attention, oh, il a du bon takedown. C'est intelligent, hein. Vous voyez, il avait la valise et le nez cassé. Ça lui a permis de régén. Hein. Oh, bien joué, très bon blocage. Hein. Ok, il préfère toujours taper. Allez, directement. Hein. Les coups de coude sont dangereux. Ah, il peut retenter le takedown. C'est pas sûr.
frappe protège sa tête. Ah ouais, là ça rebondit comme un... Ah, il arrive à me takedown quand même, hein. Ouh, attention, là ça peut être dangereux. Ah, je lui ai fait un renversement incroyable. C'est moi qui suis dans la position haute. On régène tranquillement. On a une petite dark choke. On va se relever, on va se relever en vrai parce que moi c'est pas mon jeu. J'ai fait nimp. C'est bon. On est bien, on est bien. Là, il tente tout pour survivre. Il sait qu'il est presque fini. Ah là là, j'ai plus assez d'endu. Oh, par contre, ça peut être dangereux. Non, c'est bon. En vrai, je suis bien là dans cette pause. Il va être obligé de bouger, hein. Ok. Il veut juste que l'arbitre ne relève pas. Je continue à lui baisser la barre de vie de la tête. Allez, on le renverse. Mais là, on va être bien là. En vrai, on va taper que le pif. C'est pas grave, on continue sur le pif. L'arbitre, il va nous relever de toute façon. Ah, attention à la stackée de garde. Hein. Ça, ça peut faire très très mal. On va faire la feinte. Ah, elle a bien joué. Hein. On peut être puni là. J'ai bloqué. J'ai bloqué. Oh, le... C'est bloqué ou pas bloqué? Non. Oui. Ah, quel combat. J'ai réussi à ne pas prendre la soumission. Oh, le nez, il est aplati. Va-t-il résister? Il essaye au sol, hein. Mais là, normalement, même à la décision, je pense que à la décision, ça le fait, les gars. À la décision, ça doit le faire. Il y a eu des KO de partout. Allez, c'est parti. Il va retenter, je pense, le tech. Pourtant, il est full endu, hein. Il est full endu, mais voyez, hein, les dégâts que j'ai fait en début de au premier round. Il veut pas prendre son KO, le permaki. Nous, on va le timer, là, tout doux. Non, non, c'est rien, ça. Ouh, bien joué, ça. Ah, mais je bloque, hein. J'ai... Putain, je bloque dans la bonne direction, hein. Allez, c'est pas... il faut juste temporiser. Il faut pas prendre de soumis, là, c'est tout. Donc, on va essayer de faire le job. Le but va être retourné dans la full guard, je pense. C'est la meilleure des solutions. On peut le laisser taper le corps, hein, pour l'instant. On peut vraiment le laisser taper le corps. Ok, on bloque tout là. Là, je bloque tout. Ok, il a tenté la guillotine. Là, je suis bien, en vrai. Moi, j'ai aucun risque à prendre. Voilà, on est debout. Est-ce qu'il va tirer? Il peut tirer. Ok. Oh là là, il a ri... Hey, j'ai full L2R2, je prends tous les takedowns. Hein. J'ai plus d'endu au sol, va falloir vraiment faire attention. Hey, il a sorti le maximum mode, le tonton. Debout! Viens mourir comme un homme! Ok, c'est une course contre la montre qui s'engage. S'il veut essayer de remporter ce combat, plus le temps de réfléchir, il doit attaquer pour essayer de trouver ce coup qui arrêtera le combat. Ah, il est rentré dans le piège. Et bah oui, comme un homme. J'ai joué, tonton. Bien joué. Oh, qui c'est qui a fait péter 5 subs là? J'ai entendu des ding 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 ding. Et c'est Monsieur Max, Monsieur Max Bont. Il a été très Bont ce soir. Il a fait péter 5 subs. Merci beaucoup, Max. Incroyable. Ouais, je vois que ça discute carrelage. Je sais pas ce qui se passe. Yizou tout court. Salut, Yizou. Bien joué à lui. Hein. Bien joué, bien joué. Très, très bon combat. Bon, c'était la belle. Par contre, premier round, hein, tout en timing. Enfin, le premier round, il était juste dingue au niveau des dégâts que j'ai fait. J'aurais dû même terminer limite au premier round, tellement les dégâts, ils ont été incroyables. Et très bonne temporisation. Hein. C'était compliqué hein, pour un peu. On va voir, qu'est-ce qu'ils disaient les juges. Bon, ils me donnaient les deux rounds. Donc même si... Mais par contre, ils pouvaient tenter de me finir à la soumission. Hein. C'était très jouable. Hein. J'étais middle endu. Mais regardez ça, le premier round. Regardez le premier round. Regardez le premier round que j'ai. Je fais un round où je touche 55 fois et 21 significatifs, ce qui n'est pas non plus ouf. Bah, 55 fois touché quand même, si quasiment que le visage. 55 touches au visage, c'est quand même énorme. Au deuxième round, comment ça se passe? Au deuxième round, pas grand-chose. Hein. Vous voyez, je touche pas beaucoup. Hein. Vous imaginez qu'au deuxième round, je mets 8 frappes significatives
Et je mets un KO et deux étourdissements quand même. C'est une dinguerie. Donc c'est vraiment les barres de vie, les gars, très très important, hein, on l'a toujours dit. Les barres. Tout à l'heure, je faisais pas assez attention. Là, j'ai sorti un peu plus le mode j'ouvre les yeux, je regarde ce qui se passe. Bon, on remonte, mais on remonte, on est loin encore. On est combien ? 24e mondial. Là, on a. Bon, on est remonté un petit peu. Mais voilà. C'est pas. On va regarder, hein. Un triple défaite d'affilée, je pense que c'était pas arrivé depuis belle Lulu. Mais souvent, quand on fait de la défaite, ça réveille l'instinct du tigre, t'as vu ? Merci encore d'ailleurs, Max Bont, hein, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, hein, t'as rejoint la team, tu rejoins le classement des subeurs fous. Incroyable, vous êtes dingue à chaque fois ce que vous faites, c'est une dinguerie. Bon, je suis content, on est remonté un petit peu, de toute façon, c'était sûr, on n'allait pas se laisser abattre. Merci, des flabèches. Eh, vous faites plaisir, les gars. Vous faites plaisir. Vous faites vraiment, vraiment plaisir. Oublie pas Kibo Size, le roi du punch. Ouais. Faudra que je teste ça, là. Faudra que je teste ça. Et je sais plus que je voulais demander. Ah, c'est qui a le qui joue avec le Loopy Cross tout à l'heure? Ah ouais, c'est Dark. Avec le. Merde, pas le Looping Cross, le Backfist. Je voulais savoir, il était... Ouais, c'est l'expérience. Après, voilà, c'est à vous de rebondir, c'est-à-dire à vous de vous adapter. C'est-à-dire, vous voyez, hein, c'est l'exemple type de... Je prends note aussi, Maki. Ouais, parce qu'il y a des rivalités, là, mais... Bientôt les 7... Je crois qu'on est à 7000 abonnés ce soir, les gars. Ah, et je crois qu'il y en a plusieurs qui veulent rentrer dans le classement des subs. Zachary Niguez, merci à toi, mon tonton, qui a pris son sub ce soir et qui rentre tout de suite dans la cour des très grands. Il a offert 5 subs. Il est incroyable. Merci beaucoup. Ouais, franchement, les gars, vous m'avez régalé ce soir. Vous êtes des ouf ou... Ah ouais, les gars, vous m'avez vraiment, vraiment régalé. Bah, je donne même plus la liste de ceux qui ont les subs offerts tellement il y en a. On est plus de 300 subs quasiment maintenant, hein, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte là de la dinguerie. Et c'est ce qui me donne la force, hein. Rendez-vous compte que n'importe qui joue à UFC régulièrement, quand vous êtes 15e mondial et que vous faites 3 défaites d'affilée, je peux vous dire que souvent vous avez envie de péter la télé, la manette, tout ce qu'il y a. Et grâce à vous et à votre force pendant le live, bah, je m'accroche et je m'adapte et je reviens un peu plus fort. Et ça, c'est comme ça à chaque fois depuis tant de temps. Merci, merci. Et merci quand même à ceux qui ont proposé des gros fights ce soir. Maki, Dark Sniper. Combien ça fait de temps? De toute façon, avec tous les subs qu'il y a eu, on est obligé de continuer le live. Je ne peux pas arrêter le live comme ça. Vous m'avez régalé. J'étais à la play, bonne soirée à tous. Salut à toi, Maki. À bientôt. J'espère à bientôt, en tout cas. Et merci, tu vois, toi, Maki, t'es un joueur que depuis quasiment le début, j'ai jamais eu à dire contre. C'est pas que je tombe contre toi, je dis, oh, c'est Aratus, non, très plaisant de jouer, toujours des gros fights. C'est voilà. Ça. C'est en fait, je dirais en gros, moi, vous savez, les fights qui me plaisent à l'UFC, et je pense que beaucoup de monde, hein, ça va être un Dustin Gaethje contre Dustin Poirier. Des combats comme ça ou des Chandler Gaethje, Ferguson, même Ferguson Gaethje, j'ai trouvé ce combat incroyable. Des combats, voilà, ça me plaît, ça, tu vois. Des combats de ouf à l'ancienne, des Wanderlei Silva, Rampage Jackson. Ça, c'est des combats qui, moi, ils m'ont fait me lever dans mon canapé. Ils me l'ont fait me lever du canapé en disant, waouh, la dinguerie qu'il y a, qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vois. Alors, certes, les grappleurs, c'est beau aussi. Mais voilà. Ah bah voilà Barlou, il est là Barlou, le bon vieux Barloulou. Alors Barlou, j'ai bien capté que du coup, je pense que tu dois être fan de cette gecko. Ah. Eh merci Zachary, hein. Merci Zachary. J'espère que t'as mis ton pseudo et qu'on t'a ajouté, hein. Ah moi Tim Wanderlei. Tim Wanderlei, mon tonton le crochet des enfers. Tim Wanderlei. Ah, après j'adore les deux, je te mens pas. J'adore Rampage Jackson aussi. Ouh, attention Barloulou là, va falloir être vif. Alors Barlou, il me semble qu'à l'époque c'était un grappleur, hein. Il me semble bien qu'au début du jeu, t'étais en mode grappling. Ah mais comment ça se fait que mon profil il s'est changé encore? Blocage en puissance. On est concentré, il fait mal, hein. Je pense que tes coups ils sont bien puissants, Barlou. Je trouve ton perso un peu petit.
Ça, c'est un petit détail, tu devrais l'allonger un peu. Ça compte hein, pour ton allonge. Hein. Tu vois, sur tes looping cross, j'arrive à me mettre facilement hors portée. Tu vois, c'est parce que t'as pas assez d'allonge. Ton corps, il est trop trapu. Il est bien pour le close control, c'est-à-dire en combat rapproché comme ça, là, il est bien. Mais par contre, je pense que tu devrais rallonger ton personnage au niveau des bras. Ça te permettrait d'avoir plus de portée sur certains coups. Et de jouer le jeu de jambes, hein, vraiment. Le jeu de jambes est important, vous voyez, moi je recule, j'avance. C'est rare que je reste vraiment collé au sol. Takedown, premier takedown tenté de Barlou, voilà, hein, c'est un peu plus son style. Bah, quoique maintenant il est hybride, hein. Avant il jouait pas du tout au sol, pas du tout debout. Et maintenant il est devenu bon debout, bon au sol. Donc voilà, hein, c'est du top 100 régulièrement, et même mieux. Ah ouais, là j'envoie des séries, il y a tout qui touche. Il prépare son takedown, hein. Là il y a peut-être un takedown à venir. Il est parti à fond, agressivité maximale. Il a démarré ce combat comme si sa vie en dépendait. On lui a tapé un peu les côtelettes. Ah, les takedown, j'arrive plus à bloquer un takedown. Je sais pas s'il y a une mise à jour. Si... Pourtant, takedown driving comme ça sur la droite, il n'y a rien de difficile. Il va devoir se défendre un peu mieux. Ok, on est plutôt bien. On va tenter un relevé à l'ancienne. Ah, il est pas passé, il a bien bloqué. Hein. Ça ne passe pas. Ok, il fait un relevé direct. Hein. Il prend pas trop de risques pour l'endroit. Il a bien fait de toute façon, en vrai de vrai. Arrêtez de me mettre des coups de pied marteau. Il n'y a rien de pire pour moi. Ouh, j'ai pris un KO. Hein. Fin de round, attention là. Bon, gros premier round, j'ai pris un KO, il y a eu un peu de tout. BSD vs Gadji, ouais, bah là, ça serait un carnage pour BSD, je pense. Hein. Pour l'instant, il faut qu'il monte ses mains devant son visage et qu'il commence à apprendre à bloquer et esquiver les coups. Ça serait une bonne idée. 91 likes, les gars, on peut faire péter le 100 likes avant la fin. Ouais, ouais, Barlou, je pense. Je pense que ça serait une bonne idée. Juste, essaye le corps numéro 9. Et avec un peu plus de taille. Moi, je prends pas la taille la plus grande, pas celle d'en dessous, je prends la troisième avant-dernière taille. T'as vu? Genre, si c'est 1,91, bah, je vais prendre un 88 ou un 87, je crois, la taille. Et tu vois, ce qui me permet d'avoir mes coups qui te poursuivent un peu quand. Les frappes s'enchaînent alors que le combattant garde son adversaire au plus près avec un single collar taille. Pas facile de sortir de cette prise. Pouh, celui-là, je l'ai pas fait ce soir. Vous savez que j'avais carrément oublié que j'avais ce coup-là. De sécurité à chaque fois qu'il le lance. Allez, ah, j'ai bien géré mon relevé là. Ouh là là, ça a bien claqué le bidou. Ouh, très dangereux ça. Elle aurait pu faire son KO, hein, en vrai de vrai. Allez, on laisse bien sûr une autre. Ouh, le nez a cassé tout de suite par contre. Ouh. Ouh. Je peux prendre mon KO. Oh là là, j'ai loupé. J'ai esquivé le coup de pied marteau, heureusement. Ah, j'arrive plus à bloquer takedown. C'est une dinguerie ce soir. Je sais même pas si j'en ai bloqué un seul. Il a bloqué, ok. Attends, ça peut être dangereux par contre, hein, s'il a le Dark Shock. Il a pas l'air de l'avoir. On va se remettre en half-guard. On va pas rester comme ça au cas où il y a une Dark Shock. J'aime pas trop la Dark Shock dans cette position. Qu'est-ce qu'il fait là? Ok, side control. Non, 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 non. Tu restes avec moi. Bien, bien joué. Hein. Ah, c'était bloqué ça. En vrai de vrai, c'était bloqué. Ok, ça on aime bien en vrai de vrai. Oh, il s'est relevé. Hein. Il aurait pu continuer parce que le coup il a fait mal. Est-ce qu'on ferait pas une stackette garde? Elle passe pas. Elle passe pas.
Ouh, le coup de talon retourné, hein, mais il a mis sa garde. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette coupure me paraît vraiment impressionnante désormais. Oh, le combat de ouf. J'ai plus d'endu, va falloir terminer. Mais est-ce que quelqu'un va finir par lui dire qu'il doit protéger? Il a plus de tête, c'est serré. Allez, enfin là, un fucking driving takedown. Deux bloqués. Pardon, Barlou. Celui-là, il est un peu énervé. Oh là là, le ensemble, Benoît Saint-Denis. Hein. Regardez-moi ça, les coupures qu'il m'a fait. Incroyable. Incroyable, désolé. J'avoue, mais c'est quand vous mettez des coups de pied marteau, tout de suite, ça, instant, je suis obligé d'en faire à chaque fois. Ah ouais, en plus, il a claqué. Derrière la tête, il est non réglementaire celui-là en vrai. Il est non réglementaire derrière la tête. Ah ouais, t'es mal les bras, t'es mal l'animation, mais c'est quoi ça? Désolé, mon tonton Barlou. Non, j'avoue, c'était pas prévu que tu passes t'animes, hein, mon tonton. Mais ouais, mets ton personnage un peu plus grand, je te conseille vraiment deux tailles au-dessus, moi je dirais. Et corps, mets le corps numéro 9. Dis-moi, tu m'en diras des nouvelles. Attends, je vais aller voir si c'est le corps numéro 9. Attendez, je vais aller voir. J'ai testé quasiment tous les corps. J'ai trouvé deux corps vraiment qui ont une... Bah, je vais vous l'expliquer tout de suite. Hein. Toujours les petits tutos à papy. Vous connaissez. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Oui, bah oui, merci Barlou. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Donc, au niveau des corps... Alors, voilà, corps numéro 9. C'est validé, ok. Mais regardez le corps numéro 14. Regardez la différence. Regardez la longueur des bras. Vous avez vu le corps numéro 14, comment il a des longs bras? Donc avant, j'avais le corps numéro 14. Il est super pratique pour aller puncher le mec de loin avec un direct ou un crochet. Par contre, je l'ai trouvé moins efficace justement quand les mecs viennent te presser. Donc le corps numéro 9, j'ai trouvé que c'était, tu vois, le juste milieu. T'es costaud, les bras sont courts, ils te permettent de mettre des bons crochets. Mais voilà, par contre, il faut que tu sois grand. Et on va aller voir la taille. Mais la taille... Non, c'est pas dans pré-réglage. Ouh là là. C'est dans info générale. La taille, tu vois, j'ai mis 1,85 alors que tu peux mettre 1,91. Donc tu n'es pas très grand non plus, mon perso, au final. Hein. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils me l'ont mis en poids welter, là, je viens de voir, mais bon. Sûr, tu as trouvé du pétrole avec ce kick. Ah ouais, j'avoue. Ça y est, il y a les 100 likes. Ah, merci les frérots. Merci les frérots. Ah, c'est à votre choix. Testez les deux, le 9 ou le 14. Le 14 vous permet d'avoir des jabs directs beaucoup plus prononcés. Et le 14, pour moi, c'est un très bon mix. Pour moi, c'est un très très... Eh, merci les gars, ça a été un live incroyable. Hein. Et franchement, vous... Salut Renato officiel, comment il va? Oui, les coups, bien sûr. Ah, c'est pas je pense, Renato, c'est je te l'assure à 100%. C'était déjà pareil sur le 4 et sur le 3. Certains corps avaient certaines spécificités. Donc oui, oui. J'ai pas fait de défaite, là, si? J'ai fait une défaite? Non, j'ai dit à la prochaine défaite. J'ai dit à la prochaine défaite, j'ai pas fait de défaite, donc je passe pas mon prestige. Mais je vous avoue que j'ai pas forcément envie de le passer, le prestige. Parce que je sais que je vais galer. Vous imaginez pas ma souffrance que je vais avoir. Mais au pire des cas, pour dimanche, vous voulez que je le passe en live. Je sais que vous voulez que je le passe en live. Est-ce que... Bon, vous avez été gentils, les gars, ce soir. Pour remercier tous ceux qui ont fait péter du sub à gogo. Pour remercier, et parce que j'ai envie aussi. On va passer le prestige en fin de live, les gars, ce soir. Voilà. Là, on va passer le prestige, comme ça, dimanche, j'espère pour dimanche, avoir pu monter les coups, mais je sais que je vais râler à l'avance, hein, mais... Enfin, je sais pas, là, vous voyez, je vous dis ça, mais d'un coup, j'ai mon cœur, il commence à saigner. Il commence à saigner, Et oui, je mettais bien, ouais, les barlous. Yo mec, j'étais connu pour m'améliorer au sol, faudrait que tu refasses une vidéo. Effectivement, il faudrait que je continue, ouais, Epic Régal. Oh, c'est là, j'attends ton partage d'écran, là. Si tu passes en live, trop cool. Ouais, je sais que ça vous plaît. Je sais que ça vous plaît, faut que je réfléchisse, faut que je sois intelligent dans mon passage de... Parce que vous voyez, ça monte vite, hein. J'ai un boost d'XP, j'ai déjà 2900. Bon, en vrai, pour passer mon 2 d'un coup, il me faudrait combien? Plus de 5000. Plus de 5000 points, c'est vrai que c'est compliqué.
Mais hey, Jean Rossi, Jean-Mi Rossi l'a offert son sub à Sofiane Gantois. Merci beaucoup Jean-Mi Rossi. Bonne fin de soirée à tous. Quelle heure il est? Ah ouais, il est 22h moins 20, j'avais pas vu. Pour ça, passe-le papy. Ah les gens, je sais quand, je sais les gars, je sais, ça me met la pression. Mais là, vous pouvez être sûr que vous allez me retrouver, même peut-être même pas dans le top 100 si je passe mon prestige. Ouais, possible de trouver un adversaire, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon. En vrai de vrai, je vais le passer. En vrai de vrai, je vais le passer. 2700. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je vais le regretter, je le sais. Adieu. Merci. Bah, c'est... J'appuie ou j'appuie pas? J'appuie. Hop là, j'appuie pas, t'es où? J'ai peur. J'ai peur. J'appuie? Non, j'appuie pas. Bah, allez, j'appuie. Ça y est, j'ai appuyé. Bon, là, va falloir être minutieux. Très, très minutieux. Déjà, en cardio, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de pampan. Il faut... Quoique, non. D'abord, je vais mettre un 4 étoiles. On va faire comme ça. On va partir au niveau de la santé. La santé, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Coupure. Je suis rarement arrêté par coupure. Donc, avec 4 étoiles, ça suffit. Vigueur de corps. Vigueur de corps, c'est super important. En vrai, t'es obligé de mettre un 3,5. Vigueur de jambes, en vrai, je m'en fous. Je me fais jamais casser les jambes. Mais franchement, j'ai une bonne défense de jambes. Ça peut arriver, hein. Je sais qu'il y en a qui ont déjà essayé. Alors, blocage. Est-ce que le blocage... Ouais, le blocage, vous êtes obligé. Vous avez vu comment il saute mon blocage. Je suis obligé de mettre du 4,5. Donc on met du 4,5. Jeu de jambes, c'est pareil. Jeu de jambes, je veux être une puce de lit. Hop, puce de lit activée. Défense takedown. Défense takedown, on met déjà... Voilà, on met pareil que j'avais. Mouvement de tête, full esquive à la Mikey. En vrai, c'est 3,5, hein, minimum. C'est 3,5. Puissance coup de pied. On met à fond. Voilà. Oui, j'oublie pas le bug. Vitesse coup de poing. Donc, on va pas mettre de coups. Vous voyez, on va garder à la fin les coups qui coûtent cher. Alors, on va. Ah, j'ai fait oublier quelque chose. Alors, direct. On prend le looping cross. Hein. Vraiment, c'est un coup que j'ai vraiment fort apprécié. Alors, au niveau des coups de pied, c'est parti. Alors là, va peut-être y avoir de la surprise. Ça, on remet. Là, ici, lead side. Hop, ça, on le remet instant. Je l'avais enlevé dans mon précédent build. On le remet instantané. Le front kick, j'arrive pas à jouer avec le front kick et puis ça me plaît pas. Je vais pas le mettre. Alors là, il est là le problème. Alors, les trois coups me plaisent. Je vous mens pas, les trois coups me plaisent. Ça, c'est mon coup de pied que vous connaissez tous qui nous a permis de mettre des KO ce soir. Hein, on va pas se mentir. Mais j'ai envie de mettre celui-là. Et d'un autre côté. Est-ce que vous regardez, la question est simple. On est 108 là, les gars, c'est simple. Il y a deux choix. Est-ce que Papy Gaming, il s'oriente sur, on joue le classement. Et si je joue le classement, les gars, j'enlève tous les coups de pied. Enfin, je mets aucun coup de pied futile. Ou on reste dans le spectacle. Parce que je sais que si je joue le classement, je vais m'emmerder. Qui c'est qui met des flamèches? Qui c'est qui... Oh, il est arrivé à toute patate. Il a pété les portes du saloon. C'est qui? C'est Monsieur Cruz qui a fait péter sa donation. Il a envoyé direct 10 bastos en folie. On se demandait où t'étais, mon tonton Cruz. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Ah là là, vous êtes incroyable! Merci beaucoup, je crie chez moi. Le voisin, il toque en haut. Il va aller, je vais lui mettre un overhand. Take down puissant contre la cage, descend. Ah, merci les gars. Bon, on va réfléchir après. Là, est-ce que je mets quelque chose? Là, vous voyez, j'avais mis... Ou alors, ce qui est dommage, attendez, on va regarder quelque chose. Combo, on va regarder les combos. Parce que moi, quand je fais mon build, les gars, c'est du sérieux. C'est pas je fais mes coups au pif. On va regarder les combos. Je veux voir, est-ce qu'il y a un combo avec les hook kicks? Parce qu'il me semble que les hook kicks sont des combos de kickboxing. Donc là, ils y sont pas. Coup de pied circulaire, non. Donc c'est pas des combos de kickboxing, c'est peut-être des combos traditionnels. Je suis pas sûr. Hein. Ah si, voilà. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Ah, mais il est lent. C'est quoi cette animation, là? Il est lent, hein. L'animation, elle est pas belle. Il passera jamais ce coup.
Bon, bah celui-là, c'est celui que je fais déjà, hein. Vous voyez la différence de vitesse, hein. Il est beaucoup plus piégeur. Celui-là est bien aussi, hein, mais le problème, c'est que vous pouvez l'esquiver facilement en vous baissant ou en rond. Et il part un peu moins vite quand vous êtes collé. Il est un peu moins buggé, disons. Mais il fait très très mal, par contre. Ah, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai vraiment envie de me faire plaisir et de changer un peu. Allez, c'est parti, on prend le hook kick. Je l'avais en début de... Comment ça s'appelle? En début de jeu, à la première saison, c'est le coup que j'ai utilisé quasiment le plus. Et je l'avais enlevé. Par contre, si on a le hook kick, maintenant, il faut aller voir dans les combos traditionnels, parce que le hook kick s'accompagne souvent de certains combos très intéressants. Vous allez comprendre. C'est lesquels? Lead hook, coup de pied, ok. Vous allez comprendre tout de suite. C'est comme ça, hein, que je choisis mes coups. Hein. Ah, vous voyez, là, c'est intéressant. Après le lead side kick au corps, je peux faire un spinning side kick à la tête. Ça, c'est intéressant. Lead front kick, lead switch kick sauté. C'est pas mal, mais ça coûte énormément d'endurance, tout ça. Lead kick, coup de talon retourné, coup de pied circulaire avec la main. Donc, c'est pas là-dedans. Parce que je sais qu'après le hook kick, il me semble qu'on peut faire un coup de talon retourné après le hook kick. Mais là, je le vois pas dans les coups. Et ça me paraît très étonnant. Mais je sais plus si c'est un coup de talon retourné qu'on peut faire après le hook kick. Je suis en train de regarder, hein, mais je le vois pas. Hein. Je le vois pas. Par contre, ça c'est intéressant. On peut faire un coup de pied à la jambe et après un spinning. Ou un leg kick au corps, spinning side kick. C'est intéressant, mais ça coûte énormément d'endurance. Hein. Lead front kick au corps. Ouais, ça me paraît étonnant. Hein, le hook, je suis presque sûr de l'avoir déjà vu. On va aller voir dans les combos de Muay Thai, mais ça m'étonnerait. Les combos de Muay Thai, c'est vraiment des combos de low kick, hein, je pense. On va aller voir là. Hop, il n'y a pas. Ok. Non, alors c'est bien ça. Faites voir. Je regarde vraiment de partout. Parce qu'avant, il y était. Combo de kickboxing, j'ai été les voir, il me semble pas que je les ai vus. Non, 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 non. Donc il y est plus ce combo, ça me paraît bizarre. Vraiment, il y avait un combo, vraiment tu pouvais envoyer un kick à tête et faire un coup de talon retourné. Mais... ça m'énerve parce que je sais pas lequel c'est qui va être le meilleur. Donc on retourne, on est déjà à 1300 points dépensés quand même. Merci encore Cruz. Hein. On est déjà à 1200 points de dépenser, 1380 points de dépenser. Bon, vu que j'ai mis le lead hook, il faut absolument que j'ai un coup de pied pour contrer les retraits de buste. Il faut vraiment que j'ai un coup de pied pour baiser les retraits de buste. Ce qui pourrait être intéressant en vrai, c'est celui-là. Hein. Le axe kick, mais côté droit. Allez, je l'enquille. Là, on est là. Là, c'est un combattant spectaculaire hein, que je suis en train de faire. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais j'ai rarement fait. Ok. Après, il y a plusieurs hein, coups de poing, coups de pied que j'aime bien en vrai de vrai. Hein. Un que je kiffe grave, il est là aussi. Hein. Attendez, il est où? Ah, c'est quoi ça? Lead switch kick au corps. Ça pourrait être intéressant, mais il faut beaucoup de vitesse de coups de pied quoi. Lead side leg kick. Leg kick oblique, crane kick au corps, bon sens, s'en fout. Frappe rotative, donc on va mettre comme d'habitude. Alors on va mettre, je pense, on va mettre le spinning side kick au corps, hein, toujours. Celui-là, c'est, franchement, c'est, il est indétrônable. Et après, c'est là. En fait, j'ai le choix entre le coup de talon retourné, et, qui est là. Coup de talon retourné. Mais que je trouve pas ouf. Après, j'ai le choix. Un que j'avais qui marchait énormément bien, qui est où? Ouais, c'est celui-là. Celui-là, j'aime vraiment bien, mais... C'est pas évident à placer. Celui-là, c'est pareil. Ouais, celui-là, il était bien. Celui-là, j'ai vraiment trouvé bien. Parce qu'on pouvait le faire après un crochet de mémoire, celui-là. Hein. On pouvait le faire après un crochet. Hein. Et sinon, en vrai, c'est celui-là le meilleur. Hein. Ouais, je vais remettre celui-là. Je remets le lead spinning psychic classique. Bon, ok. Là, grosso modo, j'ai tous mes coups.
Mes atouts, on va mettre les atouts. Le Bulldog, il est impératif, hein, en striking. Le Prédation, il est impératif pour moi. Et là, là, telle est la question. Est-ce que j'ai besoin de temps de récupération? En vrai, oui, j'ai besoin de la récup. Hein. Elle est là, là. Elle est là, le... Il est là, le dilemme, en fait. Il est vraiment là, le dilemme. Donc là, je vais mettre mon 4,5 de menton. Hein, pour moi, il est vital. Et il est là, le dilemme. Est-ce que je vais aller chercher la... Parce que moi, j'ai été chercher 4 étoiles et demi en récupération. Sur mon personnage d'avant. Que je trouvais très bon, mais au final, j'ai du mal à voir la différence. Améliore la capacité. Mais je pense que si je le mets pas, je vais prendre des KO pour rien. C'est ça le problème. Salut, salut à tous ceux qui s'en aillent. J'ai pas vu. Attends, qui c'est qui s'en va? C'est Bebe qui s'en va. Salut Benoît, bisous. Bonne nuit, bonne sortie. Merci pour les conseils. Bonne soirée, Barlou. Ah, ok. Bientôt, papy, le prestige 20, je m'en rapproche. Ouais, 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 c'est dur, c'est dur, c'est dur. On va mettre la puissance de coup de poing. Et voyez, le dernier puissance de coup de poing, je pense que je vais le faire partir en... On va aller voir les atouts qu'il y a un peu. Est-ce qu'il n'y a pas un atout vraiment peut-être qui va me... Les frappes consomment moins d'endurance, ça je m'en fous. Les actions consomment moins d'endurance en mouvement. Combien il coûte celui-là? Il coûte 100. Hein. Bloque plus efficacement en reculant, en bougeant. Vous recevez moins de dégâts si l'adversaire a moins de santé. Ça, c'est juste dingue, cet atout-là. Se déplace plus rapidement en reculant. Ah, ça, il y en a qui ont dû le prendre. Hein. Ah, les fils de reculeurs, je te garantis qu'il y en a qui ont dû le prendre, ça. Ah, il y a plein de choses intéressantes. Il hein. Y a se relever plus facile. Un coup de fouet, ça, on l'a dit. Comme la pierre, vous recevez moins de dégâts si l'adversaire a plus de santé que vous. Donc là, ça veut dire que cet atout-là, il est juste dingue parce que... Ouais, cet atout, il est vraiment dingue. Il est vraiment, vraiment dingue parce que tu reçois moins de dégâts si l'adversaire, il est mieux en santé. Améliore la récupération de santé entre les deux runes. Hein. Mais il vous faut 4 étoiles à tous les attributs. C'est juste une dinguerie. Donc ça veut dire qu'en vérité... Ça m'emmerde de dépenser 50 points pour ce tatou-là. Hein. Parce qu'en vrai, au pire, je peux partir sur une stratégie. Dès que je suis dans la merde, bah, ça part au sol. Parce que le fait de me mettre... Ouais, voilà, j'ai fait un style net Diaz, en gros, avant ce que j'avais. Mais le fait de mettre beaucoup là, ça me coûte très cher. Hein. Ça me coûte peut-être 160 points. 200 points me coûte cette 4,5 en récup. Hein. 200 points, c'est juste énorme. Hein, que 200 points que je pourrais mettre là. Hein. D'ailleurs, puissance des coups de poing, on a dit qu'on attendait... Puissance des coups de pied, j'ai rien mis encore. C'est là où je suis vraiment partagé. Même la 4 étoiles et demie de cardio, je pense qu'elle est importante. Le nombre de fois où je me retrouve en difficulté de cardio tellement que je tape comme un dingue. Celle-là, je la mets, elle me coûte 80, il n'y a pas à chier, je la mets. J'ai 1770 points. Parce que dans ce cas-là, je tente... De mettre moins de récupération, je reste en 3,5, mais par contre, je vais aller chercher la 90 en menton. Ça, je peux tout à fait le faire. Est-ce qu'on le tente comme ça, les gars? On va le tenter. Je ne l'ai jamais fait encore, ça. Donc, là, je ne l'ai jamais fait. On va le tenter. Donc, sur le dos. Tac, sur le dos, on va aller chercher le 4 étoiles. Comme ça, on est invincible sur le dos. Prise en clinch, on va aller chercher le 3 étoiles, parce que pour les clinchers, c'est très important. Défense soumission, on va aller chercher le 4 étoiles, clairement. Et pour l'instant, on est comme ça. On est à 2190 points. Ça, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de points quand même. Puissance coup de pied, on va aller chercher le 3 étoiles. Vitesse coup de pied, on va aller chercher le 3 étoiles. Ok, jusque-là, bon, jusque-là, c'est pas mal. On est à 2260 points. J'ai même envie d'aller chercher une défense takedown de plus, ainsi que la vitesse de transition des relevés. Détermine la compétence de refus de takedown. J'ai envie d'aller la chercher, cette demi-étoile. J'ai envie également d'aller chercher une demi-étoile de précision. J'ai envie de plein de choses, en fait. Mais on va chercher une demi de puissance et une demi de vitesse. Oh, j'avais pas vu, par contre, celle-là. Donc là, on est à 2390. 2390. Ça me laisse une petite marge, quand même, encore. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Amélioration. Il me faut l'atout intouchable pour mettre plus de corps. Ok. Position supérieure, on va rajouter une demi-étoile. Comme ça, pour les rubber guards et tout ce qu'il y a, ça fait 2400 et quelques.
Est-ce que je mettrais de l'attaque par soumission? Est-ce que je fais vraiment des soumissions? Pas tellement. Mais je vais en mettre un petit peu. En vrai, est-ce que j'en mettrai pas plus que un petit peu? Parce que je peux aller chercher ça. Je vais chercher le 3 étoiles. Regardez ce qu'on va faire. Regardez ce qu'on va faire. Regardez ce qu'on va faire. Hop, on va aller chercher la Dark Choke. La Heal Hook. Et est-ce que je vais chercher la Triangle? Et je vais chercher la Triangle. Allez, c'est parti. On va la tenter. On va la tenter et en vrai de vrai, ça nous fait 2520. Je crois qu'on n'a jamais eu autant en attaque soumission, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste une dinguerie. Là, ce que j'ai mis. 2520 et on a de quoi mettre l'étoile de menton full. Hein. C'est ça le pire de pire. Hein. Donc sur le dos, 4,5. Je suis plus que bien sur le dos. En cardio, je suis plus que bien. En défense takedown, je vais le mettre. Ma parole, je vais le mettre. Le défense takedown 3, j'ai pris. Je sais pas, j'hésite. Là, 2550. Je mets un 4 étoiles de mouvement de tête. Je fais des bons mouvements de tête. Il reste des points. Il reste des points. Le perso commence à être monstrueux. Je vous mens pas. Le perso commence à être juste dingue. Mais vraiment. Vraiment, vraiment, là, il commence à être juste dingue. Il me coûte 40. Ce qui voudra dire que là, je serai à 2630. 2630. Celle-là, on sait qu'elle va être gratuite. Elle va coûter que 10 points. Elle va coûter que 10 points. Eh, hey, bonne soirée à Cruz. Merci, hein. Prends soin de toi, mon tonton. Merci, hein. J'espère que tout va bien, mon tonton. Croustibat, si t'es sur iPhone, il faut prendre une page internet. Si le bug marche plus, tu peux garder 60 points. Non, je vais même garder 90 points, mon petit frérot. Mais oui, oui, bien sûr. Là, j'ai envie de mettre beaucoup de puissance de coups de pied parce que c'est vrai que j'ai pris quelques coups de pied. Et le fait qu'il soit très, très puissant, ça peut être vraiment une dinguerie. Ça nous fait combien, là? 40 points. 40 points, ça veut dire 30. Et il me resterait quand même... je le mets. Ça nous fait 4 étoiles de... C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. 4 étoiles de puissance coup de pied. Là, en vrai, si je prends 30, j'arrive à 60. 60, et ça me laisse encore un 30 après. Ça me laisse encore un 30. Celui-là, il fait 40. Sur le dos, il fait 70. Là, il fait 40. Défense soumission. Et attaque soumission, il fait combien? Il fait un 40. Donc en vrai, le top, ça serait... Ça serait de faire ouais, 40 et 30, 70. Et ça me laisserait que 20. Ça me laisserait que 20. Est-ce que je mets une vitesse coup de pied? Je peux pas. Hein. Par contre, là, la précision, elle coûte 30. Est-ce que c'est pas une bonne idée de mettre beaucoup de précision? Eh, mon cœur, il balance de ouf parce que... Je peux même aller chercher les 70, là. Ah non, je peux pas aller chercher les 70 de sur le dos, là, en vrai. En vrai, de vrai. Par contre, je peux aller chercher cela, mais c'est pas ouf, ça. Attaque soumission, il me fait combien? Il me fait 40. Défense soumission, il me fait 60. Ah, par contre, celui-là, il est très intéressant. Celui-là, il peut être potentiellement très intéressant. En vrai, en folie de vrai, il peut être très intéressant. Voilà, vraiment, je privilégie tout pour l'offensif. Et je vais chercher le 60 points de puissance coup de pied. Je vais chercher le 60. Je suis trop gourmand, les gars, vous me connaissez. Et là, on va chercher la maxi étoile. Pouah! Pouah! Allez, c'est quoi ce perso là? Incroyable. Incroyable. Ouais, là je pense qu'il est juste incroyable le perso. Ça va être chaud, hein. Mais c'est la première fois que j'ai autant de puissance de coup de pied, les gars. J'ai mis des centaines de KO par des kicks et j'avais du 3 étoiles de puissance coup de pied. Donc soyez là dimanche pour le live qui sera certainement pas très tard. Hein. Live plutôt vers 16-17h, les gars, maximum. 17h, je pense. Mais soyez là, 5 étoiles de menton. On est bien. Alors voilà, j'ai sacrifié la récup. Ça veut dire, j'étais spécialiste de je vais gagner mon combat au troisième round, mais quoique en vrai, voilà, hein, le but. Ah là, le coup de pied. Mais j'ai plus le coup de pied marteau. J'ai plus le coup de pied marteau, Benoît. C'est ça le problème. Là, je suis parti avec un autre coup de pied. Je suis parti avec le lead ou kick, mais tu m'en diras des nouvelles. Je vais vous montrer un combat. J'ai que deux atouts. C'est la première fois que j'ai deux atouts. On va aller tester tout de suite. On va aller tester. J'ai envie de tester. Je peux pas ne pas aller tester le. Non, je peux pas aller. Je peux pas. J'espère qu'on va pas tomber sur quelqu'un de très très fort, comme à mon avis c'est mort. Mais je veux tester là les coups de pied. Là. J'espère vraiment on va pas se faire snipe. Ouais, j'ai mis un autre coup de pied, tu vas le voir tout de suite, Benoît. Il va te plaire aussi. Hein. J'ai mis un coup de pied qui me permet de déclencher un autre combo. Hein. Ça va te plaire aussi.
Comment il va, Docteur T? Vous arrivez à la fin. On va voir, hein. Mais là, ça va être une dinguerie, hein. Les coups de pied, coups de poing, les deux en même temps, ça va être vraiment une dinguerie. Soyez là dimanche. Parce que je pense que dimanche, il y aura beaucoup plus de gens en carrière en ligne. Parce que là, tout le monde est sur la nouvelle saison du championnat division. Arrête tes conneries, Mario, sérieux? Et il a entendu de suite qu'ils étaient en train de vapoter. Mais vraiment interdit, interdit, ça, c'est dinguerie. Pourtant, je trouve ça super. Moi. Bah, je te mens pas, là, je suis passé une petite clope électronique. Hein, on va pas se mentir, j'ai pris une petite cigarette électronique qui est vraiment, je suis satisfait. Je fume un goût qui s'appelle le fruit du dragon mystique. Il est délicieux. Bon, ils vont pas me trouver de combat là, sérieux. Y a personne. Dark, t'es pas là, Dark, je vous donne le combat même. Je vous donne le combat. Quelqu'un veut me sniper, je donne le combat, les gars. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Je donne le combat, je vous offre des points. Envoyez-vous là. Allez, je vous attends. Profitez, c'est le dernier fight. Bah, les 250 points. Quoi? Ils servent à quoi, quoi? Ils servent à quoi tes 250 points bleus? À rien, achetez des conneries. Frosty Frost. Frosty Frost, c'est un goût frais, ça. J'aime pas trop les goûts frais, mais pourquoi pas. Ah, mais attends, je crois que je l'ai, Frosty Frost. C'est pas genre raisin, je sais pas quoi, machin, goût frais, là. Raisin cassis, pomme, un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Allez là, putain, sérieux. Yes, c'est frais, c'est la cerise, hein. Pourquoi pas, alors, ça me plaît, la cerise. Par contre, putain, ça m'énerve qu'il n'y ait pas de combat, il est pas tard. Je suis en folie, là. Allez, on est combien, là? On est 24e mondial, toujours. Attendez, on va regarder. On a dû baisser un peu. Bon, après, c'est pas catastrophique, hein. On est 23e mondial, malgré quelques petites défaites ce soir. On a fait une belle remontada, quand même, non? On a fait quoi, attendez? Je sais même plus ce qu'on a fait ce soir. Donc, on a fait nos 3 défaites d'affilée. Après, est-ce qu'on a reperdu? Non, on n'a jamais reperdu en fait. On a fait 3 défaites et on a reparti sur 4 victoires. Et ouais, c'est vrai que c'est un désastre écologique, les puffs, on va pas se mentir. Mais il faut qu'ils fassent des puffs rechargeables, c'est tout. Donc, du coup, c'est une clope électronique. Mais allez là, s'il vous plaît, Maki, t'es pas là, Maki? Non, il est parti, Maki. Hein. Ouais, je te dirais ça, ouais. Y a personne qui veut lancer un combat qui est à peu près dans le même bail que moi, là. Je vous donne le combat, les gars. Le combat est donné, donc là, c'est-à-dire vous avez des points à prendre. Mais je veux tester un peu mes coups, là. Je veux tester mes coups, ça serait intéressant. Je vais vous montrer normalement une ou deux pépites. Ouais, voilà, snipe-moi, Benoît. Bon, bah, y a pas de combat, hein. Bah, je crois que ça sera dimanche, hein, le test, hein. Y a pas de choix, hein. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Allez, allez. Ouais, mais moi si je lance Div 15, on va pas jouer. Peut-être que si, hein. Peut-être que si, hein. C'est possible. Hein. S'il y a vraiment personne. Allez, Brodeck, envoie. Je sors le gigot d'agneau du four après 7 heures de cuisson. Putain, là, ouais. Gigot d'agneau, là, il y en a, ils vont se régaler, hein. Je viens de commencer la carrière en ligne, c'est incroyable. J'ai acheté le jeu il y a 2 semaines, je faisais que perdre. Je faisais que des carrières. Ah non, pardon, excuse-moi. Allez, un combat là. Attends, il me régale pas du tout là. C'est incroyable, hein. Ah, j'aurais dû rester en dessous du top 100 jusqu'à les 10 derniers jours. Après, il y en a, bah. Attends, pour une fois que je vous dis sniper moi. Ah, ça y est, c'est parti. C'est parti, les tontons. High Project, parfait. Un tonton, un bon mec que j'aime bien. Ah, il a dû reset son perso. Il a reset son perso lui aussi, je pense qu'il va comprendre. Il est peut-être sur le live si tu m'entends. Nickel, merci iProject, tu tombes super bien. Salut mon tonton. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'il donne, le nouveau perso. Hop, nouveau coup. Déjà celui-là, hein, le retour. Hein. Celui-là, je l'aime vraiment. Et celui-là. Hop. Ouh. Ah, on va remettre la posture à Stephen Thompson. Je vous le dis tout de suite. Oh là là, pas mal, pas mal, pas mal. On va remettre la posture à Thompson parce qu'en vrai, pour jouer vraiment les kicks, il n'y a rien de mieux que la posture à Thompson. On va pas se mentir. Ouh. Oh là 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 là. Déjà des frappes qui partent en à peine une minute de combat. Moi ça me plaît, ça veut dire qu'on va pas s'ennuyer. Tu vois, Benoît, il est pas mal celui-là aussi. Quel début de combat, il n'a pas attendu. Va falloir attention, hein. High Project, il fait mal, hein.
son crochet manque sa cible. Ah, je veux pas lui mettre de... Pardon, je veux pas te mettre de coup de genou, mon tonton et projet, c'est celui-là que je vais te faire. Superbe crochet à la tête. Oh là là, super, 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 super. A l'air d'avoir trouvé une faille dans sa défense. Quelle défense ? En vrai, faudrait que je brise garde. Faut que je brise garde en fait. Pour vraiment être pas mal avec ce perso, faut que je brise garde. Et c'est bloqué. Ouh, attention. Attention à trop de baisser mon tonton. Ah, on a quand même gardé Axe Kick, hein. Coup de pied marteau, mais dans l'autre sens, hein. Oh, il fait mal, hein. Par contre, j'ai moins de récup, hein. Donc, va falloir que je fasse attention, parce qu'en vrai, j'ai deux fois moins de récupération, hein. Donc, va falloir que je fasse beaucoup moins d'erreurs. C'est tout simple. Vous voyez ? Ah, je le sens que j'ai moins de récup, hein. Je le sens direct. Vous voyez ma barre de vie, comment elle baisse de ouf. Et la combinaison, encore une fois, que c'est beau à voir. Il est parfait. Mélange de frappe, changement de hauteur. Ouf. Direct du droit passe à côté. Ah, il est malin, il est malin. Encore un coup sur son torse, déjà bien rouge. Et ça a l'air d'être la stratégie de son adversaire pour provoquer encore plus de dégâts. Oh, son ventre, il a bien souffert en vrai de vrai, hein. On va pas se mentir. Joli crochet à la tête. Superbe coup de pied. Oh, il l'a bien secoué, mais pas assez pour arrêter le combat. Je joue un peu les jambes. Parce que l'occasion ne se reproduira. Et dès que je suis à bonne distance. Hop là, on va jouer un peu la tête. Encore 20 secondes. Pied, ah, super, super. Vraiment, je kiffe ce petit combo. C'est pour ça que je l'ai mis. Hein. On va pas se mentir. Ouh, attention. Vous avez vu ma barre de vie qu'on m'a descendu beaucoup plus vite. Ça va peut-être me gêner. Hein. À tout moment, d'ici dimanche, j'ai réinitialisé. Hein. Ouais, c'est super important, Elias, le menton. Regarde, regarde la preuve, j'ai 5 étoiles de menton. Je sais pas si t'as vu comment c'est descendu vite, hein. C'est descendu en folie, hein. Donc là, j'ai 99 de menton, mais j'ai pas beaucoup de récup. Donc c'est à voir. Bien joué, tonton, en face. On va voir tout de suite, hein. Ouh là là. Par contre, ça marche bien au niveau de l'endurance, on va pas se mentir. Je suis satisfait. Dans ce combat. Oh, je suis pas du tout satisfait de ça par contre. Et encore un, oh, ça sent la fin. Ce kick va laisser une marque. Ça va altérer. Ah, il a bien joué, hein. Ouh, esquive à la Matrix. Ouais, j'ai pas beaucoup de récup. C'est ça, c'est ça le truc dommage. Vous voyez ma barre ? Comment elle met longtemps à remonter. Et elle est beaucoup plus petite qu'avant. Bon, pour l'instant, je fais pas de dégâts, hein, mais. Là, va falloir temporiser en folie, en vrai de vrai. Alors, par contre, faut pas que j'oublie une chose. C'est que, du coup, bah, j'ai forcément des bonnes stats. Des bonnes stats au sol. Puisque j'ai mis de l'attaque soumission. Il nous fait le coup à chaque fois, c'est sa signature. S'il se redresse, c'est mauvais pour son adversaire. Tout ce grain hop, de on prend aucun risque. C'est parfait, lui, il en prend un peu. Oh, bien joué, hein. Il a essayé la rubber guard, il essaye la soumission. Ah, par contre, c'est mauvais ce qu'il a fait là. Il a tout de suite spammé deux transitions. Ok, moi j'ai un peu de chance sur le coup. Ouais, il a bien joué, hein. Il va tenter vers le haut là. Tu vas tenter vers le haut, tonton ? Non, il veut se remettre en sécu. Ça devient inquiétant. Ok. Je prends pas de risque, hein. Ah, il est bon. Il est bon parce qu'il arrive à me bloquer deux. Je prends une soumission. On va voir si ça sert les. Comment ça s'appelle ? On va voir si ça sert la défense soumission. Combien il va me mettre ? Ah oui, ça sert. Il m'a enlevé que un quart de barre de soumission. Donc j'avoue, je suis assez content de la stat pour l'instant. Ça veut dire que là, potentiellement, il faut qu'il me mette 3 soumissions. C'est juste une dinguerie. Ça, c'est énormément plaisant. Ça voudrait dire qu'il faut qu'il mette 3 soumissions. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste énorme. Ah, il a pré-shoot. Il pré-shoot bien. Il pré-shoot très bien. Il a essayé de m'amener en side saddle. Ça me va bien parce que ça m'a permis de temporiser. Hein. Pour l'instant...
Ok, on se remet. Ça, là, j'adore être dans cette position. C'est ma position préférée, on va pas se mentir. Allez, il veut se relever, c'est parfait. Ça me va bien. Qui arrive. Un coup de base, mais tellement pratique. 15 secondes. Fabuleux échange. Allez, au final. Mais vous avez vu la barre de vie, hein. Pourtant, j'ai 5 étoiles. 5 étoiles, c'est pas suffisant. Ouh. Ouf. C'est la fin du deuxième round. Vous voyez, c'est possible que je remette mon atout coup de fouet et au moins 4 étoiles de récup. Je trouve que c'est vraiment pas assez. Va falloir vraiment. Après, voilà. Après, les coups, ils sont une étoile. Est-ce qu'avec les coups 4 étoiles, il serait déjà mort avec les coups? Parce que ça fait énormément de dégâts à son endurance et à son ventre. Je suis partagé pour l'instant. Bien joué à lui. Ah, vous voyez, j'ai le double de l'endu quand même. Hein. L'endu est vraiment bien décé. Hein. Oh, ça, grosse erreur. Mauvais geste. Ah, il a une bonne reculade quand il sonne. Je sais pas comment ça se fait qu'il recule si bien quand il sonne, lui. Il manque son jab. La posture de Thompson manque vraiment pour ce genre de petits combats là. Regardez le bleu qui apparaît sur son côté droit. Je vous laisse imaginer ce que ça fait de prendre un de ses coups. Je suis un peu court, hein. Je sens que j'ai combo une étoile, hein. Franchement, ça fait bizarre. Protéger la tête. Ouais, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, mais là, il a évité les dégâts. Ah là, je suis en mode escarmouche, ouais. Ouh. Ah ouais, quand il se baisse, ça fait des dégâts ce coup en fait. Ah ça, c'est intéressant à savoir, de ouf. Un autre coup de pied latéral. Ouh. Ah, j'ai pris le coup de coude, hein. Ouh là là, mode ultra instinct. Non. Ouh là 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 là. Ah, c'est une dinguerie ce mode ultra instinct quand je me le mets là. Mais voyez, j'ai pas assez de barre de tête, je trouve. Vraiment, je trouve que j'ai pas assez de barre de tête. Je fais mal, hein, mais. Le jab, c'est bon ça. La routine de tout boxeur qui se respecte. Eh ben voilà. On... Oh, le high kick est passé crémeux. Oh. Oh, on a réussi à caler le nouveau combo. Incroyable. Ah là 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 là, dingue. Respect, bien joué, bon combat au tonton. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah ouais, carrément, je l'ai fini avec le coup de talon. Est-ce qu'il a touché vraiment ou il y a eu un bug d'anime, mais... Ah ouais, hein, il a pris. Aïe 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 aïe. Incroyable, hein. Ah voilà, je suis partagé parce que voilà, ça va donner des combats de ouf comme ça. Là, j'ai touché 99 touches. Ça veut dire une frappe sur deux a été touchée et 60 frappes significatives. Oh ! En fait, faut que je les joue à la touche. Faut que je le joue à la touche, pas forcément pour finir le combat avec ce personnage, mais je pense qu'il faut que je le joue à la touche. Parce qu'en vrai, chaque round, je les gagne normalement. Juste en jouant comme ça. Ah non, vous voyez, hein, le deuxième round, c'est lui qui le gagne. 19-19, hein. Grâce à la soumise, je pense. Hein. Évolution du mouvement. Inversion de JJB, inversion de lutte, tout de suite. Bon, en tout cas, c'est intéressant, les tontons. On va aller remettre la posture à Stephen Thompson. On va aller le faire tout de suite. Et avec la posture à Thompson, ça va vraiment être quelque chose, je pense, style Max Holloway, j'avais jusqu'à présent. Hop, posture Stephen Thompson. Merci à lui, à iProject, ça fait plaisir de l'avoir croisé, ça m'a pu tester ça. Ouais, bon fight, franchement, super fight. Le high kick, c'était un flashball, incroyable. Bon, ça vous a plu? Est-ce que le live vous a plu, les gars? Et merci, hein, on est resté à plus de 100 personnes tout le long du live. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Ça veut dire là, actuellement, en FR français YouTube, on the floor, on the night, on the UFC, eh ben c'est nous, on est là, en first. Eh oui, on est les premiers, les tontons. Vous et moi. Eh ouais. Eh oui. Doudou, posture Kimbo Slice pour toi, je pense. Faudrait que tu testes un peu. Des grosses pêches pour Doudou.
Est-ce que j'ai... Bon, les gars, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. On se donne rendez-vous dimanche 17h pour un live. Je me serai entraîné d'ici là avec les nouveaux coups. J'aurai monté un petit peu les coups, les gars. Alors, on va voir le classement. Le classement, qu'est-ce qu'il dit, le classement ? Je suis. 23e, ça n'a pas bougé. Je pense être dans le top 100 quand on se reverra dimanche, sans problème. Mais j'aurai monté mes coups. C'est ça qui est bien. Donc voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui ont fait péter leur sub ce soir, aux donations, aux nouveaux abonnés, parce que j'ai vu qu'on avait passé les 7K abonnés, les gars. On a passé officiellement les 7K abonnés, les tontons. Je te le donne, Doudou, tout à l'heure, t'inquiète. Kimbo Slice. Bon, je suis content de mon build, hein, je vous mens pas. Alors, j'ai 5 étoiles de menton, et pourtant, avec si peu de récup, améliore la... Vous voyez, à voir, vraiment... Ouais, il n'y a pas de souci, Doudou. Merci beaucoup. Hein. Ouais, merci, Benoît, merci. Merci, les gars, on se retrouve dimanche. Ciao.